Bonsoir. Bonsoir Bastien. Salut. Bonjour. Hola olé. Quand je suis arrivé à Portsmouth, j'ai cherché ma carrière n'était pas aussi flamboyante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et donc j'ai cherché un boulot le temps de me faire une petite réputation aux États-Unis, et il y avait donc cette petite université et un département d'art, et je me suis pointé en leur demandant s'ils avaient besoin de quelqu'un pour enseigner la peinture digitale et l'illustration. Ils m'ont accueilli à bras ouverts. J'ai été ce qu'on appelle adjunct, donc vraiment genre 9 heures par semaine quand je voulais, pendant 8 ans. Et puis il y a 2 ans, ils m'ont offert une position à temps plein avec tout ce qu'il faut. La vie aux États-Unis, ça peut être un peu compliqué pour tout ce qui est sécurité sociale, etc. etc. Et là, ils m'ont offert retraite, sécurité sociale, grosse paye, je travaille que 20 heures par semaine, je choisis quand est-ce que je travaille. Ouais. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis en train d'ouvrir un pôle illustration à l'université où je travaille. Et donc, ce pôle d'illustration, j'y enseigne plusieurs choses. J'y enseigne la peinture digitale et l'illustration en général. Mais je me concentre aussi beaucoup sur enseigner tout ce qui est académique. Donc, je fais beaucoup, beaucoup de dessins de nu et de... Ouais, je... Tu poses nu pour que les gens te dessinent. Ouais, ouais, ouais. Avec des modèles qui viennent poser. Et tu tiens une arme à feu dans chaque main, comme ça, et tu cries « America !» Parker. Voilà. Il faudrait des lunettes de soleil avec le drapeau américain. Ouais, je crois que c'est à ce moment-là où je me réveille en sueur. C'est un peu gênant. Je crois que je l'ai dit à haute. C'est. Et donc, du coup. Je vais t'envoyer des messages là, discretos en disant putain, on t'entend là. Tu parles, ouais. Attends, on est en live, c'est ça. Mince. Et donc, ok. Donc, du coup, de nouvelles perspectives. Mais t'as le temps de jouer à côté, de créer comme tu veux, puisque Gods, enfin, je vais faire comme si je t'apprenais rien. Ça prend du temps de faire du JDR, d'écrire un JDR, de le créer en fait. Hein. Mm. Et même si ça fait que 2 ans et demi, par chance, il faut savoir que quand on fait notre premier jeu de rôle, il faut en moyenne entre 3 et 10 ans pour le produire. Eh bien, le destin fait que, certes, c'est ton premier gros chantier JDR, mais c'est contrebalancé à mort par le fait que c'est pas ton premier projet créatif. Ça fait depuis à peu près 2 ou 3 millions d'années que tu produis, que tu vois des gens produire, et t'es plutôt bien entouré. Donc, du coup, évidemment, les choses... Il y a un autre truc que je voudrais ajouter, c'est que j'en ai créé 50 des jeux de rôle. D'accord. Pourquoi avoir commencé à publier le 51e? Pourquoi non, mais voilà, c'est ça, c'est que God, c'est le 51e, tu vois, c'est effectivement, je veux dire, depuis que j'ai 7 ans, je crée des jeux de rôle, et des univers, et des machins, j'avais fait un post comme ça sur le Ulule de la campagne française, mais le jeu de rôle, c'est une histoire... Que vous pouvez retrouver en ce moment, je crois qu'elle finit dans combien de temps, la campagne Je crois qu'elle finit dans, je sais plus, 8 jours, un truc comme ça. D'accord, ok. Donc, dans 8 jours, parce qu'il y a une autre campagne juste avant, c'est ça, Kickstarter, aux États-Unis. Ouais. Pour le marché américain, et là donc c'était fait sur le marché français. Ouais. Et je profite de cette transition sur les 50 jeux, mais pour Gods, qui c'est qui allait voir Arkham? Est-ce que c'est Arkham qui est venu te choper, non, ou l'inverse? Bah écoute, pour le coup là-dessus c'est Julien. C'est Julien qui à l'origine, quand on travaillait ensemble sur Gods. C'est lui qui m'a dit, écoute, voilà, moi j'ai un pote Mathieu qui est top, quoi, qui est la personne qu'il nous faut sur le projet. Donc c'est lui qui nous a mis en contact là-dessus. Alors pour resituer, donc Julien, donc c'est l'auteur de Vermine, ouais. Il est auteur de BD sur Conan, sur Elric aussi, je me demande elle. Donc il a fait un système, une mécanique qui s'appelle le Totem System, qui tourne plutôt bien pour Vermine, par exemple. Et à côté, Mathieu, donc on parle de Mathieu Saintoux, donc le big boss papiscopal, pas toujours habillé, néanmoins très soyeux et très compétent et bienveillant, boss donc d'Arkham Asylum, donc c'est lui qui édite Tales from the Loop, le JDR The Witcher, Gods en l'occurrence. Et, quand tu parlais d'éditeur bienveillant et quand je disais quand on trouve le bon éditeur, Mathieu c'est le bon éditeur. Ouais. Donc oui, tout à fait. Donc... pour le coup, bon, je vais essayer de pas trop dire des choses gentilles parce que
On est sur Internet et puis les gens ils amplifient des trucs. Non mais ça y est, ils m'envoient des messages, ils me disent vous êtes trop chou. Enfin voilà. C'est vrai. Mais s'ils devaient en choisir qu'un seul. Hein. donc et donc du coup, arrête, c'est gênant. Donc, Mathieu, stop, ça suffit maintenant. Arrête, je suis encore habillé. Donc du coup voilà, tu as rencontré, comment s'est passé avec Mathieu, tu lui as montré tes illustrations, il s'est mis à convulser, il a dit allez banco, ou où vous êtes vu, vous avez débriefé, vous avez, comment s'est passé? Alors ça c'est encore une histoire. Moi, je pense que Julien à l'époque a présenté Gods tel que voilà, tel que c'est, qui est pour moi un jeu, je pense qui est un jeu qui a... Je pense que c'est un jeu qui répond à des attentes, en fait, à plein de niveaux. Et je pense que Mathieu, il a vu ça tout de suite. Je pense que Julien a su le montrer. Et donc voilà, donc Mathieu, il a... C'est comme si on lui avait jeté un bébé dans les bras. Il a fait « Putain, je l'aime, quoi. Ça y est, c'est parti. Ah, » C'est comme ça que tu vois les naissances. Essaye de pas visualiser. C'est vrai, il faut rappeler que le mec habite à Portsmouth. Donc, c'est comme ça qu'on gère. Moi, je suis très fan de South Park aussi. donc Mathieu, il a pris le machin, puis il est monté... Il est monté au créneau directement, quoi. Et derrière, il y a Fabien Marteau d'Arcane Asylum. La main droite d'Arcane. Hein. Donc, c'est le gars qui est dans l'ombre et qui gère de fou les projets. C'est le gars qui s'assure de la coordination. Il aime bien y rester dans l'ombre. Il aime bien y rester. Alors là, je fais exprès de poser son nom là-dessus parce que voilà, c'est un peu, je l'emmerde avec une lampe torche pour mettre un peu de lumière sur son travail parce que sans lui, on serait pas là où on en est. Bon, on va en reparler, mais il y a Justine évidemment, il y a tout un. Aujourd'hui, l'équipe de Gods, c'est quoi? À quoi ressemble en fait? Parce que. À l'origine, donc tu as imaginé l'univers graphique, tu as imaginé l'univers, le ton que tu voulais donner. J'ai imaginé. J'irai même plus loin sur la question un peu en amont. Tu m'excuses. Gods, en quelques mots, qu'est-ce que c'est finalement? Alors, Gods, c'est un univers de dark fantasy qui vient pour moi comme une réponse à. Après un espèce de hiatus où j'ai pas fait beaucoup de... Je te fais pas la réponse, j'essaie pas de te le vendre en deux lignes, je te fais une réponse juste un tout petit peu plus élaborée pour que ça soit sympa. C'est une réponse à mon envie de rejouer en fait, qui est venue plus tard. C'est-à-dire que j'ai fait du jeu de rôle pendant des années et des années, et puis ensuite je me suis vraiment concentré sur ma carrière. Et maintenant que ma carrière est lancée et que tout est facile, presque tout est facile... c'était le moment pour moi, j'ai eu cette envie de rejouer. Et quand j'ai voulu rejouer aux États-Unis, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de jeu publié aux États-Unis ou quoi que ce soit qui me donnait vraiment envie de rejouer. J'ai commencé à créer mon propre univers, et c'est là, et en invoquant tout des trucs de plein de projets, plein de jeux sur lesquels j'avais bossé au préalable dans mon coin. Donc God, c'est ça en fait. God, c'est un univers de dark fantasy qui est bourré de références. Des références dont je me cache pas parce que c'est des références que j'aime, parce que c'est ce que j'ai envie de jouer. J'ai envie d'âge sombre, j'ai envie de Conan, j'ai envie de Kane, j'ai envie de toutes ces choses que j'ai retrouvées dans des jeux, et évidemment je vais nommer l'innommable, mais évidemment Dark Sun, évidemment Bloodlust, et évidemment plein de jeux qui m'ont fait en tant que rôliste. Et donc il y a plein d'influences, Stormbringer évidemment, il y a Pendragon, bref, j'arrête parce que j'en ai des tonnes de références. Mais ça ramène tout ça en fait, ça concentre tout ça dans un jeu qui est vraiment le jeu que j'ai envie de jouer. Donc j'ai commencé à développer, même les Terres Sauvages sont développées pour que je puisse retrouver les choses dont j'ai envie, les différentes ambiances un peu partout sur la carte, et que tout soit concentré dans un même jeu en fait. Derrière tout ça, j'ai aussi une envie de poésie, j'ai une envie de violence épique, j'ai une envie de jeu adulte, et tout ça, ça se rejoint dans Gods. Et évidemment je parle de ces envies là mais pour bien clarifier les choses, c'est des choses
Je suis pas le seul à les avoir, c'est-à-dire que c'est des envies que Julien a et a eu quand on a lancé les choses sur Gods. C'est des envies que Mathieu a très fort, Fabien on l'arrête plus, Justine elle connecte directement, et puis le reste de l'équipe, parce que tu me parlais de, d'autres membres de l'équipe, on a eu des individus qui se sont greffés dessus et qui s'apprêtent à se greffer dessus. On peut dire qu'un auteur est un individu, mais c'est un autre sujet. Ouais, bon, des choses. Des voilà, choses des, qui se crèvent dessus. Des êtres, des créatures, de la nuit. Une mention spéciale pour monsieur Stanislas Fezer, qui nous a proposé quelque chose de superbe au niveau du kit de démarrage, au niveau du scénario, par exemple. Et, voilà, il s'est bien greffé sur, sur l'idée du jeu. Et puis, il y a Franck Ferric qui nous rejoint sur l'écriture aussi. Voilà, on... C'est un jeu qui est en mouvement, mais avec des gens qui se comprennent. C'est-à-dire que qui que ce soit dans l'équipe, on a des. Moi, je me suis assuré de m'entourer de gens qui avaient des références communes et qui pouvaient, qui comprenaient les terres sauvages, en fait. Voilà. Mmh, d'accord. Donc ouais, on reste quand même sur de la cinématographie plutôt viscérale. Donc et sauvage avec des influences brutes et ouais. Pour le coup God ça reste une équipe plutôt en mouvement avec plusieurs intervenants et toi tu restes avec avec Mathieu en amont, tu continues sur le front qui est le tien, que ce soit en termes de cahier des charges, en termes de bible ou en termes d'imagerie hein. Parce que malheureusement pour toi, tu vas pouvoir te dégager de cette responsabilité de continuer à illustrer l'univers. Donc du coup, là-dessus, c'est pas mal. Et tu as le temps de tester, de jouer comme tu veux. Ouais. D'accord. Ouais, mais je dors très peu. Hein. Ouais. Ça, peut-être que ça se voit d'ailleurs, mais je dors vraiment très peu. Mmh. Je peux pas aller me coucher tant qu'il me reste des choses à faire. Ouais, je vois. Je suis assez malade là-dessus, en fait. Je ne remets jamais à demain les choses que je peux faire dans, dans la journée. C'est ce qui fait aussi probablement que j'ai fait tellement de, que j'ai bossé pour tellement de choses. Et voilà, enfin bref. Et jouer c'est mon moment de respiration aussi, un petit peu. Je dis que je joue, mais je joue peu. Je joue une fois tous les deux mois, quoi. D'accord. Il y a des fois, cet été par exemple, on a joué plus que ça, mais joue une fois tous les deux mois, mais jouons moins et jouons bien, quoi. Voilà. Donc on a des parties de Gods. Petite dédicace à mon frangin de Rennes, par exemple, avec qui on joue sur Skype. C'est la seule personne avec qui je joue sur Skype. Avec. D'accord. À 5 heures de différé. Donc. Voilà. Ouais. Donc on fait ça avec un pote à lui et son épouse. D'accord. Et puis sinon, je joue avec des amis et des étudiants à moi plus âgés ou des anciens étudiants qui me rejoignent à la table. Et on joue à deux choses, en fait. On joue à Gods et on joue à Retro City. Voilà. Alors, on va revenir sur Retro City. On va revenir après Retro City. Retro City, c'est un autre bébé sur lequel tu planches et qui sera amené à être beaucoup plus mis en lumière dans les mois qui viennent. Et c'est l'après Gods, finalement, avec de ce que j'ai compris, des connexions personnelles entre ces univers. Et pour le coup, donc, Gods, là, je suis en train de montrer donc, le kit d'initiation. Il y a un kit d'initiation que vous pouvez mater, qui fait moins de 100 pages. Moins de 100 pages, c'est pas plus de 100 pages, donc finalement, petite déception, mais 88 pages, c'est pas mal. Voilà que les gens. Je vais faire chier tout le monde par contre en montrant la version papier. Ouais. Oh, je pense que les gens sont très très embêtés en effet. Ouais. Avec les petits cahiers détachables. Ouais. Les cahiers des fiches de perso. Voilà, les feuilles de personnages impossibles à imprimer. Donc, ça, c'est la version américaine. Il y a une version FR aussi prévue. Donc, je sais pas du tout. On l'a donné en PDF en France. Oui. Parce qu'on voulait qu'elle soit disponible pour la campagne. Ouais. Et
La version américaine, on l'a imprimée parce qu'on la voulait à la Gen Con, c'est-à-dire que quand on est quand un jeu qui est édité, qui est fait par une équipe française, édité en France par une boîte française, on est obligé de se vendre doublement aux États-Unis. Donc en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on le kit de démarrage qu'on avait bossé en tant que PDF, on se l'est imprimé tranquillement et bah t'étais là, hein, t'as tout vu. Ouais. On est arrivé à la Et Gen bien Con plus que ce comme que des j'aurais soldats. préféré voir même. Mais... Voilà, t'as tout vu, ouais. Ouais. Et il a fallu que je lave certains souvenirs à la Javel. Alors, t'as vu Bon. la page 4? La page 4. Donc, en effet, ouais, très très beau. Bah, aujourd'hui, ça reste quand même peu commun parce que tu es au four et au moulin. Tu t'occupes aujourd'hui en France, il n'y en a pas beaucoup hein, des auteurs qui font et les illustrations et la pâte graphique et l'univers graphique et aussi la Bible et le fond du jeu. Il y a en France des Inno, des, je ne sais pas si tu connais ces auteurs qui sont très talentueux, qui font tout. Même le Grumpf, bref, Issa ou Willy Favre, bref, ce sont des gens qui font tout de A à Z. Moi, si demain je dois illustrer mon jeu de rôle, je pense que les gens l'achèteraient, mais par pitié, tu vois. C'est genre dire, ils l'achèteraient, mais pour me demander d'arrêter. Bah Donc, écoute, moi j'ai une annonce c'est à faire peut-être. en fait sur God. J'ai une annonce, tu vois, une annonce spéciale pour les gens qui sont là et qui nous écoutent. Je pense que ça va faire plaisir à pas mal de monde. Maillard ne va pas illustrer dans God. Voilà, news Je voulais pas exclusive. alors, je voulais pas l'annoncer. Voilà. Je voulais garder ça pour la fin de la campagne, histoire que les gens restent en mode Ouais. est-ce qu'il va intervenir dans la partie illustration? Est-ce que oui ou non, ça vaut le coup? Alors, mais on peut officiellement, on peut le dire, il est temps, tu ne vas pas illustrer dans God. Ouais, je suis désolé, ça tombe comme ça à point nommé. C'est non, mais après, ça me dérange pas que tu balances des scuds comme ça me dérange pas. C'est le secteur du jeu de rôle est en plein boom. Nous sommes en plein tremblement là. Voilà, il y aura un avant et après annonce pour le fait que je vais pas illustrer Gods. Donc bah écoute, ce que je te propose, c'est que tu continues d'illustrer Gods, d'accord? Et je te laisse ma place. C'est ça, c'est ça, c'est pas mal J'enverrai ça. après, j'envoie un mail direct à Mathieu, je lui dis, écoute, la proposition c'est non, je vais pas pouvoir, il faut continuer à encourager ce petit illustrateur qui monte, ça serait bien qu'il se fasse son trou finalement Faut faire dans... attention avec Mathieu. Et moi, j'essaie de pas trop lui envoyer de mauvaises nouvelles parce qu'il est, tu vois, Ah, il bosse pas mal, on peut appeler ça un il est métier. sensible et tout. Et donc du coup, God aujourd'hui, c'est un kit d'initiation que les gens peuvent télécharger. Ça va être un kit d'initiation physique que les gens pourront récupérer d'une manière ou d'une autre. Il va y avoir donc, en termes de gamme, quoi dans l'univers? Et très accessoirement, Alors, quand tu as le livre de base, tu te dis, tu joues quoi dans Gods? on a, alors dans Gods, bah évidemment, on a un gros livre de base parce que c'est nécessaire, parce que les terres sauvages sont vastes. Donc, on a un livre de base qui va bah, tout proposer en fait, sauf les secrets et les tenants et les aboutissants qui seront posés dans le livre de l'oracle, qui sera évidemment réservé au maître du jeu. Donc on a deux livres, mais on a un livre de base qui donne tout ce qu'il faut pour jouer, de toute façon. Dans God, on joue des élus, on joue des individus, des héros, qui sont sensibles d'une manière ou d'une autre, au réveil des anciens dieux, en fait. Donc God, c'était un monde de gloire et de fureur, qui est tombé. Où les premiers hommes se sont entretués avec les dieux avec lesquels ils vivaient. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Gardons un peu de suspense, mais C'est un et monde à puis ce secret. qui de quoi? Alors, je fais le gars qui est surpris, tu vois. Je fais le Ouais. gars qui sait pas. Attends, attends, je refais. Voilà. Je refais, attention. 1, 2. Mais dis donc, Bastien, Gods, Ouais. c'est un univers à secret? Point d'interrogation? Alors oui et non, oui et non. C'est-à-dire que c'est un univers, oui, à secret, et non pas à secret. Donc, c'est définitivement un univers avec beaucoup de secrets en fait, avec une civilisation disparue, plein de choses dont il faut absolument pas que je cause maintenant, donc je vais fermer ma gueule. Il y a un truc qui Et s'appelle le culte du soleil noir. Est-ce que ça fait partie des secrets?
Non, pas du tout. Ah Pas du bah tout. Ça zut! fait partie. Mais justement, on va. Voilà. Donc, juste pour répondre à ta question, c'est un jeu. C'est oui, un jeu à secret. C'est oui, un jeu avec plein de choses à découvrir qui ne sont pas mis en, qui sont pas mis en devanture quand on commence à jouer. Mais c'est aussi un jeu qui se prête qui se prête à des one-shots, à des aventures un peu plus faciles, un peu à la Conan, un peu à la Kane, un peu à la. Des nouvelles courtes où on peut se lancer dans une aventure d'un soir et puis basta quoi. Ça D'accord. marche bien pour les gens qui sont très occupés, qui jouent que de Alors temps en la temps, qui veulent jouer un question peu en piège, alors campagne. ça c'est une méga, méga pinta octo. Vas-y, vas-y, Question piège-moi. piège, est-ce que pour de l'initiation, ça passe, sachant que ça va être un méga pavé Ouais. déjà de base, genre... Non, mais ça passe. Ça passe, à mon avis, ça passe super bien. Si le maître du jeu est capable de se farcir tout ce qu'on va foutre dans le Ok, bouquin, donc voilà, let's ça go. repose l'initiation. Pour joueur, oui, pour MJ, moins. Ouais, et en même temps, tu vois, le kit de démarrage que je viens de feuilleter très brièvement, ça permet quand même d'attaquer les choses de manière très simple pour le maître du jeu et pour les joueurs. Je pense que le système de Julien, qui est vraiment, vraiment excellent, il se complexifie très bien. Pour le maître du jeu et pour les joueurs, il y a moyen de pousser la complexité du système. Et en même temps, il propose une base qui est tellement simple et tellement fluide et tellement facile à jouer que c'est très modulable en fait. Très modulable. Et moi, en tant que maître du jeu, j'ai une tendance à pas m'emmerder avec les règles. C'est-à-dire que je me sers des règles uniquement quand elles sont... soit elles viennent pimenter l'action, soit ça vient garantir une certaine équité entre les joueurs ou ce qui se passe. Donc c'est là que j'utilise les règles. Et donc dans ce cas-là, elles me servent. Par contre, j'ai absolument aucun problème à laisser les choses derrière et puis à passer sur du narratif exclusivement. Et le système de God, pour l'avoir fait rouler quand même autour de la table pas mal, je le trouve assez idéal, quoi. D'accord, ok. Ok, donc Voilà. on Donc, joue des pour des élus. débutants Ouais. ou pour des vieux routards, quoi, pour utiliser la vieille formule. D'accord, exactement. L'autre question, c'est, voilà, dans le jeu, est-ce qu'il va y avoir des scénars one shot? Il y a une campagne. De ce que j'ai entendu dire, il va y avoir une grosse campagne plutôt ambitieuse qui va pouvoir permettre de délayer des secrets, d'effleurer des aspects lore de l'univers. Est-ce que il va y avoir des scénarios one shot complètement décorrélés de ceci, c'est-à-dire n'importe quoi, mais je me dis bah voilà mec ou meuf, il y a peut-être même des nanas qui font des jeux de rôle, voire du jeu vidéo, toi-même tu sais. Et est-ce que on va pouvoir se dire le jour même, bon bah ce soir on va faire du Gods, on va faire un one shot qui va pas être dingo-dingue en termes de campagne et on va juste se faire plaisir en termes de GDR. Dans l'idéal, alors je dis ça et je dis ça sans faire aucune promesse parce que c'est encore des choses qu'il faut qu'on discute, mais évidemment, on a déjà des scénarios, même par exemple dans le kit d'initiation, on a déjà des scénarios qui sont des one-shot. Voilà, déjà c'est clair. Et ensuite, je pense on va développer une campagne et avec probablement des scénarios qui peuvent ou non s'inclure dans la campagne ou être joués en one shot ou pas quoi. Voilà. Donc, et encore une fois, je dis ça sans aucune promesse. C'est vraiment comme ça que je vois les choses parce que c'est comme ça que j'aime bien les faire. Voilà. Donc on va voir. Tout ce que je sais, c'est qu'on a devant nous une campagne qui va. En fait, il y a un contexte dans Gods, il y a un contexte très fort. Le culte du Soleil Noir représente le dieu unique qui a l'intention de coloniser le reste du monde, le reste des terres sauvages. Et le culte du Soleil Noir a une espèce d'ouverture gigantesque en face d'eux, puisque les anciens dieux ont disparu. Donc ils essayent de s'imposer comme la religion unique, et là on parle de prêtres avec des grandes toges noires, encagoulés, ils portent des bandelettes blanches pour se protéger de la lumière du soleil. Leur croyance, c'est que en fait, le soleil, c'est le dieu unique qui les surveille, et que le jour où il leur fera confiance, il deviendra noir en fait. Et c'est. Alors voilà, je vous le donne en mille, mais il y a des histoires d'éclipses et de croyances bizarres. Voilà, donc le culte du soleil noir, on a un ennemi très fort en fait dans Gods. Et le culte du soleil noir vient de devenir la religion officielle de Babel en fait. La reine de Babel.
à accepter le soleil noir comme le dieu unique, comme, comme le dieu. Et donc, on est à un moment où une des principales civilisations des terres sauvages vient de basculer. Et donc là, on a une intro parfaite pour une campagne de longue haleine qui va faire traverser, qui va prendre les joueurs et les faire voyager. Voilà. Pour le coup, vraiment, je vais faire attention de ne pas en dire trop sur, ouais, sur pas... les importants. Et puis aussi l'aspect où, dans les univers un peu velus, hein, de toute façon, dans les univers où il y a beaucoup de fonds, le risque, c'est d'arriver devant une explication qui intimide un peu. Donc, il faut aussi se rappeler que sur Gods, il peut y avoir des aventures courtes ou décorrélées de ce lore-là, qui, lui, nécessite une implication autrement plus différente de la part du MJ. Et que si tu as envie d'aller sauver le village qu'on va appeler modestement Paris, voilà, si tu as envie de sauver ce petit village avec des personnes hautaines à l'intérieur de Paris contre l'envahisseur parce qu'il y a une secte qui monte en puissance ou quoi, c'est quelque chose que tu peux faire en mode plutôt décorrélé du lore de fond pour éviter des enjeux complètement oufissimes, quoi. Pour éviter justement de se retrouver avec un MJ. Moi, ça m'est arrivé sur des gros jeux, même Shan qui était un gros coup de cœur, qui est un mélange entre Braveheart et Star Wars. C'est très réducteur, si vous avez vu le film Avatar, mais ouais. C'est le risque, vu que c'est un univers avec un U majuscule, avec un gros fond, il m'est arrivé de faire des scénarios qui soient avec, en termes d'enjeux, pas trop indigestes, et ça c'est rassurant en fait en termes de jouabilité. Donc, et après c'est plus la mécanique, le gameplay qui rassure sur le fait de jouer vite, en fait, et bien. Donc, kit d'initiation. Ouais. Livre de base. Ouais. Du scénar dedans. Probablement, oui. D'accord. Pas de promesse, parce que je sais pas... Je dis probablement parce que je sais... On est en train de voir au niveau des paginations, etc. Mmh. Je sais pas si les scénarios qu'on a, on va les mettre dans ce livre de base ou si on va les mettre dans les livres de l'oracle. Voilà, donc, je m'engage pas là-dessus, mais donc okay. Le livre de l'oracle, et ensuite probablement une campagne qui va démarrer avec une introduction aux terres de Babel, en fait. D'accord. Et là, on est dans du velu, on est dans du secret, on est dans du lourd, en fait. Hein. Et on est dans du jouable. Ouais. Vraiment, on est dans du. Est-ce que tu entends par jouable? On est dans tout ce qu'on va développer au niveau de la campagne. Moi, je veux vraiment que ça soit. Dis-moi, mais on parle d'équipe là pour le coup. Mmh. On va éviter d'étouffer le maître du jeu et les joueurs sous des informations qui sont pas pratiques, en fait. Mmh. Et on va essayer d'aller à l'essentiel pour vraiment donner des opportunités de jeu, en fait. Des lieux à explorer, des histoires à vivre, des personnages à rencontrer. Mais tout ce qu'on va faire dans Gods est écrit pour les joueurs, quoi. On pose la question suivante, c'est la campagne arrivera combien de temps environ après la sortie du livre de base? Alors, je sais que c'est le genre de question un peu sensible parce que il y a aussi la campagne Ulule qui elle-même permet de continuer de financer. C'est le concept, paraît-il, des financements participatifs, de permettre aux créatifs de développer les jeux qui sont portés par les éditeurs ou qui sont portés par les personnes qui doivent gérer l'administratif. Et Non, mais je vais botter en touche, hein, sur cette question. Voilà. Complètement, je batte en touche complètement. On pourra y répondre davantage. Et en plus, je ne pense pas que ce soit à moi d'y répondre, mais je pense que l'équipe éditoriale sera en mesure d'y répondre une fois qu'on aura fini la campagne Ulule, tranquillement. Donc la campagne Ulule, elle se passe très bien. On a démarré très fort. Je sais qu'à la fin, on sera ravis. On a les moyens de faire Gods. On est ravis de l'accueil. Si on accumule la campagne française et la campagne américaine, on a un jeu qui se tient bien, qui se tient très bien. D'accord. La sortie du livre de base, elle est prévue pour On a annoncé mai 2020. D'accord. Sachant qu'il y a déjà le kit d'initiation prêt.
Et que du coup, ça va être l'année Gods, quoi, finalement. L'année ah 2020. Ouais, Gods, c'est 2020. Ouais. Ouais. D'accord. Voilà. La campagne, c'est aussi simple que ça, en fait, je sais pas. C'est-à-dire que c'est aussi un truc que j'apprécie énormément, moi, avec la team Arcane. C'est que je suis pas en train de... Moi, personnellement, je travaille pas sur God en pensant pression, deadlines, parution, etc. Et je sais que ce que je dis là, c'est pas forcément rassurant pour certains joueurs, mais moi, en tant qu'auteur, j'ai besoin d'être préservé de ces choses-là. J'ai besoin de me concentrer sur les terres sauvages. J'ai besoin de me concentrer sur l'écriture, sur l'illustration. J'ai besoin d'être bien et de faire un monde bien. Et on le livrera quand il sera prêt à être présenté. Moi, je... D'accord. On est des adultes, tu vois. Moi, je préfère qu'on me livre un truc sans me faire de promesses sur la date, mais je préfère avoir confiance et me dire, bah, putain, là, ça va cartonner, quoi. Voilà. Ouais, et puis avoir une idée aussi, une visibilité, parce que c'est vrai que ce sont des dates qui ont été quand même annoncées pour le lancement de la gamme, tout du moins. Hein. Donc, en souhaitant le succès là-dessus, qu'il mérite, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, hein, sur Gods, et puis il y a, comme tout contenu de gamme de jeux de rôle, ça va aussi être amené à évoluer en fonction de ce qui va avoir comme écho, hein, en termes de, en termes de retour, parce que les retours vont commencer à tomber dès maintenant avec le kit d'initiation. Les gens vont pouvoir y jouer, ils vont faire leurs propres propositions, puis tu vas voir toi-même. On a déjà des retours et ils sont plutôt bons. Hein. Mmh. Ouais. D'accord. Je vais pas me taper sur l'épaule, mais il y a quelque chose. Tu peux. Je te propose de prendre 2 secondes et juste après, on fait un point glauque. D'accord. Juste un truc que j'allais dire. Avec Gods, on a un univers à proposer qui propose aux joueurs de faire ce qu'ils ont envie de faire et de jouer comme ils ont envie. Donc ça, c'est des one-shots à la Conan, etc., etc. Et on a aussi une histoire à raconter, en fait. On a aussi un monde qui vit, et on a une grosse histoire à raconter. Et ça, c'est la campagne. Voilà. D'accord, ok. Donc, et par extension au livre de base, c'est un autre livre de secret, finalement, la campagne. Ouais. D'accord. Ça va être à part, ça va être séparé du livre de l'oracle, ouais. Donc en gros, on livre le livre de base et le livre de l'oracle, et puis ensuite on met les bouchées doubles pour commencer à raconter cette histoire dont on parle. Fait en termes de excuse-moi, c'est mon côté chef de projet, c'est assez vas-y. Ça va occuper, ouais, 2020-2022, quoi, finalement. Ouais, probablement, ouais. Encore une fois, je peux pas, tu vois, je... oui, mais bien sûr, sans dire que c'est ce que vous allez faire, mais en même temps, c'est mais grosso merdo, dans un aperçu plutôt rationnel, plutôt logique, ça reste 2 années assez vénères, quoi, pour Gods, pour lui donner le souffle qu'il mérite. On y est pendant un moment, et moi, ce que j'aime bien, moi, j'aime vraiment beaucoup avoir, j'aime bien choper un jeu sur, je regarde ma bibliothèque, là, j'aime bien choper un jeu et savoir que je peux y jouer, quoi, voilà, que le jeu n'est pas bouclé dans une campagne exclusivement, par exemple. Donc voilà, God, c'est les deux, voilà, ça permet les deux. Est-ce que ça te parle comme référence Dark City? Ouais, bien sûr. Voilà, est-ce que Retro City, donc l'univers sur lequel tu tombes... Dark City, c'est quelque chose que j'ai finalement regardé après avoir écrit Memories of Retro City. Voilà. Et évidemment, j'ai compris pourquoi on m'avait dit, mais regarde ce film. Donc ouais. Monsieur donc, Porte. Voilà. Donc roman noir, donc autre univers sur lequel tu taffes. Retro City, roman noir, Sin City, SF... ouais. Dark City, donc finalement interconnecté, parce que avec Gods, d'une manière ou d'une autre, est-ce que je viens de balancer un missile dans la mare? Non, mais alors c'est un missile, c'est un missile vachement intéressant que tu viens de me balancer dans la gueule. ça me fait plaisir. On n'est plus à ça près, tu sais, à Portmos. C'est là, on parle. Alors moi, j'ai un truc bizarre, je suis pas capable. Par exemple, il y a pas longtemps, j'ai dû jeter ma chaise. Et parce qu'elle était bousillée, parce que ça fait 10 ans que je suis sur la même chaise et que j'y bosse tous les jours. Donc j'ai dû et je me suis rendu compte que j'avais besoin de lui dire au revoir à cette pauvre chaise, parce que elle avait accumulé toutes ses heures de travail, toutes ses voilà, il y avait du vécu avec cet objet, en fait.
Quand j'étais petit, je parlais à mes peluches dans mon lit. J'ai toujours prêté, j'ai toujours prêté une sorte de. Je suis sûr qu'il y a un mot, il y a un mot très sérieux pour ça. J'ai toujours prêté une âme aux objets qui m'entourent, en fait. Et si je traverse des moments de ma vie qui sont attachés à des objets particuliers, ces objets, je ne peux pas les jeter, ils restent. Voilà. Et donc, c'est une autrement thématique. Que les gens sur Internet, parce que les gens sur Internet ne sont pas que des objets, rappelons-le. Voilà, voilà c'est ça. Je parle pas de. Voilà, pas de. Allez, fan. Ouais. Mais donc, c'est une thématique qui est très présente dans Gods, puisque dans Gods, il y a justement, quand on est un élu, la façon dont les dieux communiquent avec les personnages, c'est au travers d'objets qui leur sont précieux. C'est quelque chose qui est dans Retro City aussi, c'est-à-dire que Retro City, c'est une ville qui est malade, où les gens fusionnent avec les objets qui les obsèdent, en fait. Donc Retro City, c'est une ville où on peut aller fumer une clope et s'accouder à un lampadaire, et le lampadaire te propose, te demande si tu as du feu, en fait. Parce que quelqu'un a fusionné avec ce lampadaire, parce que cette personne a eu une histoire intense à un moment, peut-être une rupture à cet endroit précis, ou etc., etc. Ou alors le vieux flic. Il y a un impact, en fait, émotionnel et en même temps au niveau concret sur l'environnement qui entoure, et on peut le voir visuellement, quoi, dans une partie. Complètement. Complètement. C'est-à-dire qu'il y a plein d'images, que ce soit dans Gods ou Retro City, que je pourrais. C'est marrant, je pourrais les peindre de la même manière, que ce soit fantasy ou science-fiction. J'ai juste à changer le décorum, mais en fait, les thématiques sont les mêmes, quoi. D'accord. Et le tragique, que ce soit dans Gods ou dans Retro City, il y a une notion de tragique qui est un peu plus présente à Retro City, parce que dans Retro City, on joue des flics, donc on joue des flics sous la pluie, on joue des gens qui se confrontent en permanence à tout ce qui est dégueulasse dans cette ville. Inspiration Portsmouth. Mais c'est ça, c'est un jeu noir et tragique, quoi. C'est de la science-fiction noire tragique. Mmh. Ok, et d'accord. God, c'est de l'épique noire. Ok, donc tu restes quand même sur des thèmes qui sont plutôt matures. Et si demain, imaginons, demain je te chauffe, je te dis, mec, écoute, ça m'intéresse, je vais pas passer spécialement par ton agent, même si je vais forcément. Et d'ailleurs, vraie question, du coup, derrière, qui vient, c'est si on veut. Te commander une illustration, faut te contacter via ta page Facebook, mal te parler avec des larmes aux yeux, en convulsant sur Twitter ou autre, ou il faut passer par un agent pour ton agent. Il faut pour, passer par mon agent, ouais, j'ai pas le droit de. Parce qu'il a l'exclu, c'est ça ? J'ai pas le droit d'accepter de nouveaux travaux. D'accord. Ouais. Donc moi, par exemple, si j'ai envie de te dire, mec, j'ai un super univers. Alors c'est l'histoire de petits poneys qui parlent, qui s'envolent et tout, qui font des arcs-en-ciel. Et il y en a un qui a une sorte d'arme à feu qui est là et qui dit, c'était pas ma guerre, mais qui quand même c'était sa guerre, tu vois. Si je te dis, ah bah, avec un univers comme ça, pour le coup, je te fais la couverture gratos. Hein. Voilà. Donc, très bien. Yes. Donc, donc faut voir ça avec ton. Ouais, ça passe légalement, j'ai pas le choix. Il faut que ça passe par un agent. Donc les fois où je passe pas. T'es par contractuellement bloqué. Ouais. Les fois où je passe pas par l'agent, c'est quand je fais des cadeaux, en fait. Effectivement, c'est quand je fais une couverture gratuite. Ce qui m'arrive, ça m'arrive de le faire. On va parler de Cult du coup, deux secondes. Ouais, qui est une couve que tu as faite. Donc Cult, c'est un univers qui est glauquissime, mais qui reste toujours, enfin de toute façon tous les univers glauques restent en dessous du niveau de glauque de la ville où tu habites. Cult, c'est du sombre, c'est du dark, c'est du sanglant, c'est du maléfique, pas au sens Angelina Jolie, au sens vraiment pur. Et bien du coup c'est un univers toi qui t'a fait vibrer. Tu as fait la couve qui a gagné d'ailleurs un Ennis à la Gen Con la dernière, c'était le 2019. Et du coup, tu as. Ça s'est passé comment ? C'est le coup de cœur ? Parce que moi aussi, hein, quand il m'est arrivé au niveau texte, au niveau scénario, qu'on me chauffe sur un univers vraiment qui me parle, qui est un univers à licence, et je dis, mec, je sais que ça. Ça n'a pas de sens, quoi, si je te demande de te saigner. Moi, ça ne me dérange pas de revoir le droit d'auteur, mais parce que c'est un univers non seulement qui me parle, mais en plus de ça, qui m'a poussé. Donc, je le fais, je rogne un peu sur eux, parce qu'on reste des créatifs et c'est ce qui nous fait envie. Donc, Cult, du coup, ouais. tu...
Bah, Colt, ouais, ils m'ont contacté parce qu'ils voulaient que je fasse les couvertures, parce qu'ils trouvaient, et ça s'est fait très bien en fait, ils trouvaient que mon travail avait... Bon voilà, juste pour les citer, mon travail avait cette espèce de mélange de sacré et de profane en même temps en fait. Voilà, donc ils m'ont contacté pour ça. Et je leur ai dit, bah, écoutez, déjà, merci de me contacter parce que Cult, Cult, c'est mon enfance. C'est comme ça. Non, c'est terrible, mais c'est un peu vrai. Franchement, danser sur des tombes faisant des chants grégoriens, franchement, ça me rappelle trop le camping. je viens de dire un truc terrible. Mais... Ouais. Et oui. Et donc je leur ai dit, bah écoutez, on va faire un deal. Je vous la fais, mais je fais ce que je veux. Oh. Et c'est là où c'est sorti le dessin du poney à la mitrailleuse. C'est là que j'ai mis un poney sur la couverture de Cult. Et j'ai écrit, en fait, Cult, la nouvelle édition, il y a écrit Pendragon dessus, en fait. Wow. Mais non. ouais, non. Ouais, ça a été le deal en fait. Ça a été ouais, bah écoutez, je vous la fais, mais vous me laissez faire absolument tout ce que je veux. À un point où, à un moment, ils m'ont demandé de changer la fumée et je leur ai dit, bah non, si je change la fumée, ça va être tout pourri. Vous prenez ou vous prenez pas, mais c'est tout quoi. Ouais, tu Et défends en ton fait, steak à un moment. on a Peter Nalo, qui est la personne avec qui je travaille, qui est le directeur artistique sur toute la gamme Cult. Il est génial. Il est à l'écoute, il m'a très bien compris, il m'a fait confiance et bah, il ne l'a pas regretté parce que je leur ai quand même ramené un Ennio Award là-dessus. Et derrière, il y a deux autres livres qui sont sortis avec des couvertures pour Cult à nouveau. Le jeu a été un succès énorme au moment de la campagne de financement. Et puis bah, maintenant, ils me commandent des Ouais, c'est couvertures cool. Cult. Et c'est cette couverture, il me semble, où il y a eu une sorte de censure nécessaire, une version censurée et une version non censurée, parce Et qu'elle à est la un Gen peu. Con, il y avait un sticker sur. Parce qu'elle a des. Ah, faut, ah oui, alors attention, Tu peux faut pas décrire, teinter. tu peux Mais décrire, mais on va pas. elle saigne des seins, en fait. Elle saigne des yeux et des seins. Et donc, il y a vraiment le côté sacré avec le sang qui sort, que ce soit les larmes ou le lait maternel. Enfin, il y a un côté ange déchu. Alors, il y a beaucoup de gens qui pensent que, ah ouais, voilà, on met des seins sur une couverture, on essaie de faire vendre, mais ça serait vraiment mal comprendre mon travail. Bien au contraire, c'est-à-dire que moi, la nudité, elle est très présente dans mon travail, mais la raison pour laquelle la nudité est présente, c'est parce que ça parle de corps, ça parle de crudité, ça parle d'honnêteté quelque part. C'est vraiment essentiel dans mon travail, mais c'est pas masturbatoire. Pardon, j'ai dit les mots. Non, c'est bon, on a passé le timing, tu peux y Ouais, c'est aller. bon. Ah, c'est Et easy. donc voilà, et donc c'est ce qu'ils voulaient sur Cult. J'ai pas le droit d'en parler parce que les nouvelles couvertures sont pas révélées encore. Puis je sais même pas si c'est pas un spoiler de dire qu'il y a des couvertures qui viennent, mais bref. Ah, tu peux peut-être juste en parler juste de vive voix sur les prochaines couves de Cult, sans forcément, puis on va revenir après sur Gods. Et on va aborder les questions, parce qu'il y a eu pas mal de questions qui sont passées. Donc on va allouer un moment aux questions que les gens se posent. Et la France te regarde. Donc du coup là-dessus, il va falloir... on va pas pouvoir y couper à ces questions, parce qu'il y en a qui sont vraiment cool. Alors, ce que je propose, c'est que je vais mettre mes lunettes de soleil Celle avec le et je drapeau vais répondre à américain ou... toutes les questions en français, je vais y répondre en anglais. Voilà. Ah yes! Ok, mode connard terminé, Ouais, c'est tout. bonjour! Vous êtes sur la bonne Voilà. chaîne. Très bien. Et pour le coup, donc une prochaine couve sur Cult, pareil, t'as eu la même liberté là-dessus? Ouais, maintenant, encore une fois, ce qui s'est passé au début, ça a fait qu'on a créé une relation de travail avec Peter qui est vachement bien. Donc ouais, quand Cult me commande des trucs, ils me disent, bon, bah, on va faire un livre sur ça, ça t'inspire, et puis voilà, basta. Ok, ben tranquille. Et je suis ravi parce que... Ils m'ont abordé avec des petits budgets parce qu'ils ne savaient pas trop comment ça allait se passer pour eux avec leur jeu. Et puis maintenant ils payent bien, ils font confiance parce que bah, ils ont plein de ressources. Bah, parce qu'ils ont pu être propulsés, donc à un moment, ils t'ont fait confiance, tu leur as fait confiance, et c'est aussi comme ça que
qu'on imagine, hein, le cercle vertueux, hein, créatif. Et puis, hein. Bah, c'est Elmgast, la boîte suédoise, et ils sont, ils sont top, quoi. Enfin bref, ça sert à rien, je leur balance de la pub, comme alors, ça, je suis pas payé. Mais ouais, c'est pas une OPSP, hein, on précise. Qu'est-ce que c'est dommage. Par contre, s'ils nous entendent, on n'hésite pas. Ouais. Est-ce que il t'arrive de refuser des tafs, que genre du gros taf, bien vénère, À tout hasard, est-ce que il t'est arrivé récemment de refuser un taf d'une entreprise importante qui monte J'ai pas le droit, en fait, mais j'ai pas le droit d'en parler. D'accord. J'ai pas le droit d'en parler parce que c'est des choses qui sont, c'est des contrats qui me sont proposés et qui passent par mon agence. Mmh. À partir du moment où je commence à parler de ça, ça veut dire que je commence à parler de taf qui sont dans le vent. Il y a une confidentialité et puis bref, mais ce dont je peux parler, ouais, c'est Marvel. J'ai refusé plein de fois des travaux avec Marvel parce que ça ils payent pas respectueusement. Mmh. Mais je veux pas, voilà, je veux pas commencer. Ouais, tu veux pas aller dans les enfin, tu veux pas livrer une image qui est pas forcément représentative de tout leur fonctionnement, que je peux comprendre, mais en l'état, au moment où ils t'ont fait cette proposition, elle ne correspondait pas à ce que tu imagines de pas seulement ton fonctionnement, mais ce que tu vaux, c'est important de savoir ce qu'on vaut. Exactement, et un des trucs, donc il y a ça, il y a la valeur financière, mais il y a aussi un des aspects essentiels, une des choses qui fait... qui vient avec le fait qu'on est professionnel ou qu'on ne l'est pas. C'est très important d'être conscient de ce qu'on peut faire. Moi, je sais ce que je peux faire bien et je sais ce que je fais moins bien. Et donc, il y a pas mal de boîtes qui m'ont contacté pour des trucs que j'ai refusés parce que je considère que si je travaille sur ces choses-là, je ne donnerai pas à voir ce que je fais de mieux et donc je n'ai pas envie. Donc, quand c'est des clients importants, très importants, et que ça me met dans des situations où le travail ne serait pas forcément aussi bon que ce que je sais que je peux faire très bien, j'ai tendance à refuser. Donc, ça explique pourquoi j'ai refusé des boulots avec Disney il n'y a pas longtemps ou des trucs avec Blizzard. Ouais, voilà. Tout à fait. Et que tu restes sur des valeurs qui sont sur des références qui, pour toi, te permettent aussi de pouvoir continuer en roulement serein, notamment avec Wizard sur Magic ou de temps en temps sur la couve à droite à gauche. Et puis, ça permet aussi, c'est ainsi, c'est-à-dire que arrivé un moment au début, quand tu, de toute façon, arrivé un moment de ton cursus, tu es obligé de faire le choix qui construit non seulement ton image et l'univers dans lequel tu avances, mais aussi, t'as que 24 heures, mec, dans la journée. Et c'est comme ça, ce que tu parlais de ton art station, là, sur la galerie, là, qu'on est en train de mater depuis tout à l'heure. Moi, j'étais un peu embêté en te disant, mec, est-ce que t'as d'autres illustrations là-dessus, parce que t'as pas fait que ça dans ta vie, t'en as fait d'autres qui sont vachement abouties. Et tu as, je me permets, hein, tu as carrément donc dit, je préfère mettre des illustrations qui, à mon sens, me représentent le mieux, et pour lesquelles les gens vont avoir tendance à venir me chercher. Et pas pour tout, parce que toutes les missions que j'accomplis ne correspondent pas à toutes mes envies. Ouais, mais c'est ça. Alors, en fait, c'est, je veux pas proposer quelque chose, je veux pas offrir une formule à des clients potentiels qui sont des choses que j'ai pas envie de faire. Donc, c'est très important. C'est luxe, c'est quelque chose que je peux me permettre aujourd'hui. Je peux me permettre de choisir mes clients, je peux me permettre de choisir les projets sur lesquels je travaille. Et donc, ça fait que je ne présente dans mon portfolio, sur ArtStation, sur mes sites internet, etc., uniquement les travaux qui correspondent à ce que j'ai envie de faire. D'accord, ok. Donc en gros, ça fait que comme il n'y a pas de dragon qui boit de la bière dans mon portfolio, je suis sûr qu'on ne va pas venir me contacter en me disant « Est-ce que tu peux nous faire un dragon qui boit de la bière ?» Je vais te voir passer au projet suivant. Et si quelqu'un fait ça, si quelqu'un me contacte pour un dragon bourré, je peux leur dire « Mais est-ce que vous voyez un dragon bourré dans mon portfolio ?» Non, ben voilà, il y a une raison. Merci. Et c'est là où on te répond « Ouais, mais on t'a vu au bar et… » T'avais quand même l'air d'un dragon bourré. Voilà. Et je peux te dire que en partant sur une biographie ou un autoportrait, hein, tu peux gérer. Donc du coup, pas mal. Voilà. Est-ce que finalement tu fais que des univers matures, tu fais que des univers un peu viscéraux, sanglants, en un mot, et de manière générale, brut de décoffrage.
demain, je t'invite à faire du Nullbuck ou je te propose, toi, sur un de mes univers, peut-être, même si moi ça me parle beaucoup, hein, tes univers, soyons francs, si demain je te dis, voilà, on est en mode pimpin, My Little Pony, je sais que tu peux le faire parce que tu as le talent, mec, mon gars. Est-ce que. Je répondrais gentiment, non, non, ça me fait chier. Ouais. D'accord. C'est presque ouais. Gentil, ça me plaît. Donc, ouais. C'est dommage, je vais devoir passer au projet suivant. Mince alors. Voilà. Donc, ok, très bien. On a brossé pas mal de sujets. Je te propose qu'on aborde les questions que les gens se posent. Il y en a un certain nombre qui sont plutôt pas mal. Donc, alors, très bien. J'ai les boules, ça, il y a le suspense, j'angoisse. Voilà, n'hésitez pas. Je peux mettre une autre musique un peu de suspense. Non, je vais rester sur de la synthwave. La synthwave, c'est très efficace. Ah non, très bien, il y a une publicité pour Better Communication, pour avoir plus de grammaire. C'est génial. J'adore YouTube. Des bisous à YouTube qui nous regarde. Alors, question. On a la question qui est la suivante. Quand tu as eu l'idée de Gods, au départ, à l'origine du temps, même s'il y a des personnes de talent qui t'ont rejoint, qui t'ont aidé à développer certains aspects ou qui ont mis leurs pattes sur d'autres aspects de l'univers, tu as commencé à écrire quelle partie en fait? Tu t'es concentré sur quoi? C'est quoi le déclic? C'est terrible, mais j'ai visualisé l'ennemi en fait. Donc les gens de Portsmouth, de ta ville? Non. Non. Les cultistes. Ah. C'est ce que je viens de dire. Ça se rapproche. C'est très proche. Ça, et en fait, j'ai besoin de... Pour qu'un monde naisse, j'ai besoin de pouvoir l'habiter. Donc j'ai besoin de voir une carte. Et je crois que j'ai vraiment commencé à gribouiller des cartes, en fait. D'accord. C'est vraiment comme ça que c'est parti. J'ai commencé à gribouiller des cartes et à partir du moment où les cartes étaient tracées, je fais des images et je me dis tiens, ça va où? Alors pourquoi c'est comme ça? Et il y a un côté très très organique entre communication, entre ce que j'écris. Par exemple, je vais faire une illustration et je l'explique par écrit, ou je vais écrire un truc et je vais avoir envie d'illustrer. Et lentement, comme ça, par cette espèce de ping-pong entre ma main gauche et ma main droite, en fait, les terres sauvages ont émergé, quoi. Voilà. Et puis encore une fois, hein, derrière, on parle d'équipe, on parle de longues discussions avec Julien, mais aussi avec Justine à l'époque, plein de choses qui sont venues se greffer sur l'univers, qui lui ont donné une vie. C'est un truc que je dis souvent aussi, pour que mon univers ne m'emmerde pas, j'ai besoin qu'il tombe aussi un peu dans les mains des autres, pour qu'ils apportent des choses qui viennent me surprendre. C'est-à-dire que quand moi je m'embarque à nouveau dans les terres sauvages, ben les terres sauvages, elles vont changer énormément par l'implication des personnes qui ont travaillé sur Gods, qui travaillent sur Gods ou qui vont travailler sur Gods, qui font que c'est un univers que je contrôle et que je découvre à la fois. D'accord. C'est très agréable. Demain, tu as quelqu'un qui kiffe ton univers, il peut envoyer un mail à Arkham Asylum pour te dire ça me chauffe, je peux te faire une proposition? Oui et non. Oui et non. Arrête avec ce genre de réponse. J'ai pas envie de dire ouais. Alors parce oui, que... parce que parce que si jamais c'est une personne de talent, on ne veut pas passer à côté. Mm-hmm. Et non, parce que des personnes de talent, j'en connais tellement et je les ai invitées sur le projet et je sais pourquoi je les ai invitées, je sais pourquoi je veux travailler avec eux. Mais ouais, donc il y a les deux en fait. Mmh. Oui et non. Ouais, parce que ça ne dépend évidemment pas que toi. Puis, non, mais regarde la direction artistique. Regarde la direction artistique, il y a des illustrateurs avec qui je voulais vraiment travailler. Mmh. Par exemple, Pierre Ravenot, qui à l'origine, on a fait pas mal d'images, lui et moi, sur Gods. Et ensuite, il est occupé avec Ubisoft, donc il ne peut pas toujours revenir bosser cette sur Gods. Cette autre mais... petite boîte qui monte. Voilà, voilà. Mais derrière, lui ou John Tedrick, je vais commencer à poser des noms. Il y en a plein des artistes sur Gods et ils sont tous fabuleux, donc je ne vais pas faire une liste. Mmh. C'est des listes qui sont trouvables.
qu'est-ce que je veux dire? Ouais, il y a aussi, il y a quelques illustrateurs sur Gods, illustrateurs et illustratrices, qui sont des gens qui m'ont contacté et que je ne connaissais pas avant qu'ils me contactent pour bosser sur Gods. Et s'ils n'étaient pas là, le jeu serait très différent. D'accord, ok. Donc ça continue, tu continues de... Enfin, c'est finalement une grande fête, hein, le Gods, c'est-à-dire que c'est pas un truc que tu... C'est la toute question, ouais. Ouais, c'est... La fin de la phrase n'était pas obligatoire, mais j'aime bien. c'est finalement c'est un univers dont les rails sont posés, dont la Bible est là, tu sais exactement où tu vas aller, et c'est le trajet, c'est le chemin qui t'enjaille d'être finalement ce qu'on recherche tous, en bonne compagnie. Ouais. Donc, okay. Donc quelqu'un d'autre qui pose la question, c'est Petit Ocelot qui dit « Bonsoir !» Point d'exclamation. Une question Bonsoir. Plus générale. Deux points. Avec quel logiciel travailles-tu? Et qu'est-ce qui t'arrive de dessiner? Est-ce qu'il t'arrive de dessiner de manière qu'est-ce traditionnelle de Pourquoi ouais. Est-ce qui t'arrive non, de alors... dessiner genre avec crayon et tout ça quoi? Ah ouais, tout le temps, tout le temps. Je travaille. Alors, je travaille avec Photoshop. Je travaille avec une tablette Wacom Intuos. J'aime pas la Cintiq. On pourra en parler de ça, mais j'aime bien séparer ma main de mon écran. Je travaille digitalement. C'est comme ça qu'on dit en français. Je travaille de manière digitale. Principalement parce que deadline, parce que possibilité de modifier tout ce qu'il faut modifier rapidement, etc. etc. Et puis ça me permet d'avoir un réalisme dans mes images. Je travaille avec beaucoup, beaucoup de textures photo sur lesquelles je peins, j'incorpore. C'est complètement organique et en fait, je fais ce que je veux. C'est-à-dire que je peux changer les choses. C'est-à-dire que dans Gods, par exemple, il y a beaucoup plus de peinture avec référence. Dans Retro City, les illustrations vont être quasiment directement photographique, donc c'est un autre sujet. Le digital permet vraiment de gérer les balances comme j'ai envie. Par contre, il y a un truc qui change pas, c'est que derrière j'ai une pratique constante du dessin, beaucoup beaucoup d'académisme, beaucoup de pratiques de nu, beaucoup de pratiques de dessin à partir de références, et je peux pas lâcher le réalisme, la pratique du dessin, la texture du papier, j'en ai besoin. J'en ai là, j'ai une table à dessin sur le côté. Quand je bosse à mon ordinateur et des fois, je tourne ma chaise, je branche la lumière et je dessine. Quoi. D'accord. Ouais. Ok, très bien. Joe qui demande, voilà, je fais avec la voix de Géo, évidemment, qu'on connaît tous, qu'on ne présente plus. C'est ouf, quand je vois Gods, je vois des Genesis dans la mise en forme du projet. Des Genesis, c'est un projet... Donc, nord-européen, avec à la base l'illustrateur, il bosse dans le cinéma, il s'est monté une équipe d'Expendable de fou. Le bouquin, il a un lore comme as, avec des bouquins hyper épais, donc c'est un jeu de rôle destiné à plutôt, ils appellent quoi le ça ? Primal Punk. Donc, ouais. C'est du Primal Alors, Punk post-apo. La blague, moi je connais pas des Genesis en fait. Donc c'est un jeu que je n'ai pas. C'est un des rares jeux qui est vraiment excellent apparemment, que je n'ai pas, que j'ai pas lu. Et je peux me permettre officiellement de nier toute influence des Genesis parce que je connais pas le jeu en fait. Ouais. Mais c'est voilà, dans le process cool. En fait. Je vois le parallèle en fait. J'imagine. Au-delà, au-delà de la question légitime sur est-ce qu'il y a de l'inspiration, conception, maquette, distribution autre, il y a le process en fait, c'est-à-dire que c'est à la base... Un illustrateur qui crée un monde et... Ouais. Voilà, c'est ça, puis des gens qui ne sont pas forcément à la base trempés dans le secteur du jeu de rôle pur et dur et qui font leur jeu en fait, parce que toi tu navigues sur du jeu vidéo, sur du roman, sur du comics, sur de la BD, bref. Et, et du coup, tu as envie que les gens le fassent vivre cet univers à travers le jeu de rôle. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé avec des Genesis. Il y a un œil graphique, il y a une attention visuelle, et il y a un côté design aussi qui fait que quand on est illustrateur, le design, ça, on ne peut pas passer à côté. Et moi, par exemple, j'ai besoin d'une maquette dans Gods qui est très facile à lire, qui est très directe, un côté très moderne.
Voilà, et ça, apparemment, c'est aussi des choses qu'on trouve dans des Genesis. Ouais, tout à fait. Donc voilà, Mais c'était un compliment, donc précise, en fait, je nie pas les ressemblances potentielles parce que ça ne me surprend pas du tout. Par contre, je nie l'influence, ouais. Il y a des influences que j'assume complètement, mais des Genesis n'en fait pas partie. Si on parle de Brom, si on parle évidemment de Bloodlust, si on parle de Stormbringer, si on parle de Conan, si on parle de Kane, on peut en faire des listes de choses où les influences, non seulement je les accepte, mais je les revendique. Par contre, des Genesis, bah, faut que je l'achète, en fait. Voilà. Je vais aller m'acheter des Genesis et je vais le bouquiner, ouais, carrément. D'accord, très bien. Ok, merci Bastien. Donc, Beowulf qui pose la question. Ton processus créatif, est-ce que tu peux nous le décrire rapidement, ta routine de dessin, en fait, tes habitudes? À quoi ressemble la journée du Bastien? Alors, évidemment, tu peux aller sur des éléments qui sont un peu... tu dis Moi, ce que je tu me veux. lève, je me fais tirer dessus, Ouais, ensuite... voilà, yes. Et à quel moment arrive Non, l'illustration? C'est-à-dire avant ou après l'hôpital, finalement? voilà. Non, mais je travaille à l'hôpital, en fait, voilà. Ah, dans ton atelier. Non, alors en fait, je me couche vers 6h30 du matin, en général. Je m'endors pas sans lire au moins 1 heure. Donc, Heure américaine, en général, évidemment, c'est hein, c'est pas à 6 heures du de 8h retour à matin. 7h. Ouais. Et donc, je me réveille vers midi. Ça me donne 1 heure ou 2 pour faire de l'exercice physique parce que j'en ai besoin. J'ai besoin. Voilà, je cours beaucoup. J'ai besoin de. Je passe tellement de temps assis à ma chaise à Ouais, travailler je que vois, j'ai c'est, besoin on est dans de. des Voilà. activités qui sont un peu cristallisantes, donc Ouais. Et physiquement. donc, je fais ça. Et à 2h30, je suis dans mon bureau à l'université. À 3h30, je suis en classe. À 6h, je quitte l'université. Et ensuite, toute la nuit, je travaille sur mes projets perso. En général, je divise les choses. En général, je vais me faire, sur une nuit de travail, je vais me faire 4 ou 5 heures d'illustration, 4 ou 5 heures d'écriture. Voilà. Et c'est D'accord. comme ça toutes les nuits, et c'est comme ça le week-end. Jusqu'à ce que Whitney me regarde, me fasse un regard noir et me dise. Whitney, son On épouse, fait des trucs voilà. ensemble à des moments, voilà. Mais donc, Genre, bah, genre des batailles de pouces, des trucs comme ça, par exemple, par exemple. ou un jeu de dés, enfin, c'est un truc Voilà. comme ça. Tu Voilà. joues, tu fais du jeu vidéo? Alors Un peu, je fais encore une fois le gars. Mais dis donc, Bastien, ouais. Quelle surprise! est-ce que tu fais du jeu vidéo? Quelque Si chose que oui, est-ce j'aimerais que tu vraiment ne bien jouerais pas savoir. un... Voilà. Est-ce que tu ferais Voilà. un jeu Non. vidéo En général, au milieu de ma nuit de travail, je vais me faire une pause d'une heure. 1 heure, je fais des pompes et je joue à Borderlands. En même temps, parce que le mec est talentueux, tu vois. Voilà, c'est ça. Ben, en fait, je presse les Tu boutons fais avec des mon nez. pompes avec une main et avec l'autre main libre, tu es sur ta manette Voilà. PS4. Non, mais ouais, quand je dis que je fais des pompes, c'est pour faire circuler le sang parce que justement, être assis pendant des heures comme ça, c'est bien de. J'ai pas, de toute façon, j'ai pas l'air d'un mec qui fait des pompes, donc je peux le dire. Au moins, je peux en parler. Mais en plus, ouais, enfin bref, ouais, jeux Bah, tu fais vidéo, de quoi ouais. ça? Des jeux, j'ai des amours pour des jeux très. Je joue peu, mais quand je joue beaucoup, en fait. Voilà. Donc, Red Dead Redemption, par exemple, le Ouais. premier et le second, c'est des jeux qui m'ont Il marqué. se finit en Borderlands, 2-3 heures. voilà, c'est ça, des jeux vite fait, quoi. Mais moi, j'aime bien les jeux qui me donnent l'impression que c'est comme si j'avais ouvert la fenêtre. Donc, Red Dead Redemption, bah, c'est pareil que chez moi. En fait, dehors, il y a les forêts, il y a les Il y a les cuves, cow-boys, il y a les gens qui les tirent barrières de dans le bois. feu, Ah non, mais il c'est y a vrai. les grizzlies qui te poursuivent. Ah, mais attends, il y a des ours, il y a Oh, des mais qu'est-ce que je coyotes, viens de il y dire, nom a. de Dieu? Voilà, Pourquoi non, j'ai non, dit bien sûr. ça? Bien sûr, donc c'est réel. Il y a même un endroit dans Red Dead Redemption qui est inspiré de là où je vis, en fait. Si on cherche en haut à De droite ton sur les salon. collines. Il y a un endroit qui s'appelle Serpent Mound, et c'est une colline avec un mont indien en forme de serpent, et ça, c'est là où je vis, en fait. C'est un truc qui est réel, qui existe. Bref, ouais. Ok, donc c'est ta routine, très bien. C'est pas mal, ça laisse un peu rêveur entre deux grizzlies, c'est pas mal. J'aime bien les jeux qui me racontent une histoire, qui m'emportent, et j'aime bien être très libre. Je me rappelle la première sensation à GTA, à GTA San Andreas. Me retrouver sur une moto à écouter du rock des années 90 par temps d'orage pour aller tirer. Allez, ouais, non, là, ça fait glauque. Pour aller faire du shopping à Las Vegas. Tu peux y aller, c'est bon, c'est ton moment, On c'est a passé ton l'heure, c'est bon, ouais, c'est libère le Kraken, allez mec. là.
Non, 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 on va contenir. Si. Viens, monsieur. Non, ok. Donc, ouais, ok. Petit Assad qui pose la question, voilà, est-ce que tu peux parler un tout petit peu de gods un peu plus au niveau des terres sauvages? Donc, est-ce que c'est peuplé d'êtres humains? Est-ce que c'est sauvage, type, il n'y a que des habitants de Portsmouth ou il y a aussi des êtres humains? Non, il y a des. Alors, il y a que des humains, déjà. C'est très important. On n'est pas dans un univers de fantasy traditionnel à la Tolkien avec des elfes et des nains. Les gobelins, par exemple, ou les créatures un peu grisâtres à la peau sèche sont issues des premiers hommes qui n'ont pas passé l'hiver, quoi. C'est un monde qui est très sauvage. C'est un monde avec des pôles de civilisation, des villes créées par les hommes sur les ruines des civilisations précédentes et qui sont des endroits où les humains survivent. Mais derrière, c'est aussi un monde très vaste avec beaucoup d'espace, effectivement très sauvage, et une faune et une flore qui vont être à la hauteur de nos promesses. Un des trucs que j'aime beaucoup, c'est le rapport d'échelle entre. C'était un monde habité par des gens plus grands à l'époque, donc ils couvraient plus de surface, donc leur cité était plus grande, et donc il y a des ruines un peu partout, et il va y avoir pas mal de choses à découvrir pour les petits hommes que l'on joue, pour les petits humains que nous sommes, dans cet univers qui est un peu plus grand que nature, quoi. Voilà. Mmh. D'accord, ok, donc ça reste, il y a une sorte de gigantisme, ça fait penser un peu à Warhammer sur le côté un peu gothique sur certains aspects, mais quand je parle Warhammer je pense plus à Warhammer K en fait, ouais. donc sur cet aspect, est-ce que tu as bossé? Alors ça c'est juste le fan qui est en moi. Non, qui te décevoir. Laisse-moi te décevoir, je suis plus une déception près, tu sais. C'est entre le petit poney qui se fera pas et ouais. Ah, non, non, non. Warhammer, non, j'aimerais bien. C'est un univers que j'aime bien, mais je suis pas sûr que mon travail soit. Je sais pas, j'en sais rien. La dernière fois que j'ai dit ça, je disais ça pour Magic, et maintenant ça fait 5 ans que je bosse avec eux, donc c'est. D'accord. Si je connais 2-3 personnes là sur chez Games, est-ce que ça te chaufferait de bosser sur Warhammer K? Pourquoi pas, ça, là, pour le coup, tu vois, je peux vraiment pas m'engager sur ce genre oui, de choses. Oui, non, mais ça, évidemment, non, mais imaginons. Et ouais. Imaginons. Mais imaginons, ouais, carrément, bien sûr. Ok. c'est quoi ton plus gros défi? Quel était ton plus gros défi en termes d'illustration ou celui qui te vient en tête? Parce que c'est pas compliqué. Donc. Oh, ouais, c'est un truc qui est. C'était définitivement le plus gros défi pour moi, mais c'est probablement un des trucs les moins intéressants pour le reste du monde. C'est un travail que j'ai fait pour National Geographic, où on m'a demandé de faire 70 illustrations en 2 mois. Donc ça fait plus d'une illustration par jour. Pour faire des oiseaux, c'est ça? Pour c'était pour tout ce qui est concept art, marketing et développement, donc par National Geographic, sur un documentaire et film sur la vie de Jésus. Oh, un genre d'oiseau, finalement. Voilà, et la première chose que j'ai fait, moi, c'est de leur demander pourquoi ils m'appelaient moi pour parler de Jésus, parce que pour le coup, pourquoi, quoi? Et ouais. Parce que moi, je le connais un peu, le bonhomme, tu vois, et on ne s'entend pas toujours très très bien, quoi, donc il y a... Et ils m'ont dit, bah, c'est justement pour ça qu'on veut toi, quoi. Ah, oh, d'accord. C'est pas une mauvaise réponse. Hein. Ce dont je parlais sur Cult, ce qu'ils aimaient, le côté. Cult est sorti avant ou après? C'était bien avant ça. C'est National Geographic, c'est il y a 3-4 ans. Ok. Voilà. Mais on parle de contrats énormes, on parle de contrats qui fait que. Une compagnie, une boîte comme ça qui commande 70 illustrations par le biais de mon agence, ça m'a mis à l'abri financièrement. D'accord, voilà. Pendant... ça t'a permis aussi gros de. D'accord, en fait, ça a été un virage. C'était tellement énorme qu'à la base j'ai dit non, j'ai refusé parce que c'était trop, parce que je ne voyais pas comment on pouvait faire ça. Et ils ont insisté et ils m'ont parlé avec tu vois, un carnet de chèques, etc. Et je fais, bah, je ne peux pas refuser ça, c'est pas possible. Comme ça, avec tu sais, les chèques comme ça qui te, voilà. qui te balayent là, le nez quand c'est en train de faire, mais écoute, c'est pour la passion, c'est, tu peux le voilà. faire. Voilà. Et donc j'ai dû, je leur ai répondu entre les lignes, je leur ai dit, bah, écoutez, je vais peut-être crever.
Mais allons-y. Voilà. D'accord. Et C'est final, marrant, au c'est final, marrant. ça n'a pas pris 2 mois. On a poussé la deadline. Ça a pris 6 mois de ma vie. Ça a été intense. Ça a été assez affreux, en fait. Aujourd'hui, je ne le referai plus, je pense. D'accord. D'accord. C'est un peu comme moi avec le Toblerone, finalement. Ouais, voilà, c'est ça. J'allais te le dire, en fait. Flipper, sinon, là, globalement, dans quelle ambiance tu te mets, voilà, pour faire imaginer tes illustrations, niveau musique, niveau même ambiance, tu te conditionnes un peu. Alors, Comment? si quelqu'un venait à rentrer dans la maison pendant que je travaille la nuit, il ressortirait très vite en fait. À cause du chat. À cause des chats, voilà. Voilà, très bien. J'ai des lumières d'ambiance modulables qui servent pendant les parties de jeu de rôle, mais qui servent surtout quand je travaille. Je travaille dans l'obscurité avec une petite lampe qui vient balancer pour la lumière de l'écran. J'ai des lumières autour de moi qui, encore une fois, qui sont modulables. En fonction de ce sur quoi je travaille, je change l'ambiance. Et musicalement, j'ai en permanence des musiques appropriées qui se mêlent bien aux thématiques de ce que je fais. Voilà, donc ça D'accord. va du doom au black en passant par tout ce qui est musique d'ambiance, la fête, quoi. D'accord, finalement, t'es pas juste t'es pas en apparence un cliché de métalleux, t'as tout l'attirail qui va avec, en plus d'avoir les compétences qui l'accompagnent. Très bien, ça, tu crains, mec, je te jure. Je m'excuse. Ouais, alors. Tu t'excuses pas vraiment, c'est juste parce que t'es Non, on n'y un croit peu pas du tout. poli, voilà, c'est ça. Mais c'est pour ça que je suis sous le charme aussi. Ça craint. Il faudrait qu'on imagine, je sais pas, un truc à faire ensemble, je sais pas quoi. À un moment donné, il faudrait peut-être se chauffer sur. Ok, peut-être que ça arrivera, qui sait, sur. Peut-être Qui sait? Gods, qui Je sais sait. pas, peut-être. Moi non plus, Ça enfin, peut-être. dépend de. Ça dépend de la personne sous la casquette, j'ai envie de dire. Waouh! J'aime bien. Alors, qu'est-ce que toi tu penses? Alors, question qui peut paraître un peu comme piège. Qu'est-ce que tu penses du lore de Magic? Auquel cas, donc, est-ce que tu es à bloc dessus finalement? J'y connais rien. Classique. Alors, c'est vraiment classique. C'est-à-dire que ça fait écho à ce que tu disais sur la commande nationale géographique, c'est que c'est pas forcément parce que tu es consommateur as fuck du truc que forcément t'es la bonne personne. Je suis consommateur as pas fuck. Non mais alors c'est exactement ça, c'est-à-dire que je travaille sur Magic parce que je viens apporter un truc à Magic qui n'est pas un truc typique Magic. Voilà, donc ils m'appellent pour des choses très particulières et en général c'est des cartes noires ou blanches. Et on est encore une fois dans ce côté sacré ou profane. Et ouais, non, alors j'ai joué à Magic hein, pendant toute mon enfance avec les copains, on s'échangeait les cartes et c'est un des trucs qui a fait que j'ai voulu devenir illustrateur. Tu vois, quand j'avais ça dans les mains en me disant putain, il y a des mecs, c'est leur boulot, c'est leur vie, tu vois, voilà. Voilà, donc Et Magic, c'est au départ tu as un un boomerang. parent qui a mis la main sur ton épaule en te disant, fais un vrai métier, mon fils. Voilà. Non, mes parents, pour le coup, mes parents ont toujours été très, très parfaits sur ces genres de choses. Ils sont Voilà, pas mais je veux juste parfaits, soutenir. ils sont très parfaits. Ok. Très parfait, ouais. C'est un peu énervant, mais soit. Mais ouais, c'est un boomerang de bonheur qui m'est revenu dans la gueule quand Magic m'a compris. Parce qu'il y avait un clin d'œil au gamin que j'étais. Voilà, donc ça, c'est réel. Donc j'ai un amour réel pour Magic. Par contre, effectivement, j'ai pas le temps de Ouais, m'y c'est mettre. Et ça. puis, j'ai pas l'envie, en fait. C'est-à-dire que je trouve dans le jeu de rôle des choses de l'ordre du narratif que je retrouve pas dans Magic directement. Oui, puis Je disons les connais choses le très lore, simplement, t'as grandi, quoi, t'es adulte, tu vas pas traîner sur Magic, Non, mais. ah quoi. Ouais, mais en même temps, je connais plein d'artistes Magic qui jouent et qui sont à fond dans Magic. Donc voilà. Mais ouais, moi, voilà, j'ai autre chose à faire. Gods, par exemple, et Retro City, Voilà. Par exemple, des trucs qui sont déjà en chemin et qui doivent aller au bout, quoi. Donc, Mister Jack,
qui dit, qui te pose la question. Donc voilà, récemment dans Hearthstone, il y a des illustrations qui ont été changées ou supprimées. Donc diminution de poitrine, suppression des tenues un peu dénudées, virgule, etc. Trois petits points. Alors, petit détail, on ne met pas trois petits points après, etc. On met un point, parce que etc. c'est déjà trois petits points. Ouais. Pour pouvoir accéder... Temps, ouais. Voilà, quand même, tu sais. Et pour pouvoir accéder au marché chinois, as-tu déjà modifié certaines de tes illustrations pour justement cette question d'être retiré d'un marché pour une quelconque raison? Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Alors, c'est le marché asiatique en général, en fait. J'ai jamais travaillé avec un client chinois. Par contre, j'ai travaillé avec des clients asiatiques qui m'ont demandé plusieurs fois d'éviter la nudité, mais de forcer le côté sexy. D'accord. Donc, la subtilité, le sous-entendu, donc ce qui est suggéré, la suggestion. Cache les tétons, fais les seins plus gros. Et moi, j'ai une réponse qui est en général très, très appropriée pour ça. Je dis merde. Ah, ok. Mais tu le dis en chinois. Voilà. D'accord. Tu te la peins toute seule. Voilà. Non, c'est des clients que j'ai lâchés, justement. Parce que ras-le-bol de... Ouais. Bref. Ouais. Ok, d'accord, c'est marrant, c'est marrant, le curseur de ce qui est permissif ou pas, c'est que ça reste plus, un peu hypocrite en plus. Hein. Dans mon travail, comme il y a beaucoup de nudité dans mon travail, comme il y a beaucoup de corps, à partir du moment où je me retrouve avec un client qui me demande de... On parle toujours de Portsmouth, c'est ça? Voilà. Quand je me retrouve avec des clients qui me demandent d'insister sur le sexy... Et ben, tout d'un coup, ça crée de la confusion. C'est-à-dire que c'est facile ensuite de résumer mon travail à du branlatoire, quoi. Et moi, ça ne m'intéresse absolument pas. Et voilà, c'est le genre de client qui aime mon travail parce qu'il y a de la nudité, mais qui a une tendance à le tirer dans une direction qui ne correspond pas du tout à ce que j'ai envie de faire, quoi. Mmh. Voilà. D'accord, ouais. Je vois les aspects que tu soulignes qui sont vraiment très, très sympas. Et du coup, autre question. Monsieur F qui demande, voilà, ça peut être déjà été posé comme question, mais tu es plutôt école d'art, tu as plutôt été école d'art ou plutôt autodidacte, hein, ou un mélange des deux. Les deux. Hmm. Les deux, oui et non. Ah, mais ça va, tu vas encore nous casser les noix avec ton... Les deux, c'est-à-dire que j'ai un master à l'université de Rennes. En art plastique. Donc là, pour le coup, c'est une éducation qui était très conceptuelle et avec beaucoup de pratiques du dessin et de la peinture aussi, mais vraiment conceptuelle. Donc c'est un truc, c'était tellement plus basé sur le concept que j'ai pris des cours aux Beaux-Arts en même temps pour insister sur la pratique, sur la matière. Mais que ce soit aux Beaux-Arts ou à la fac d'art plastique, à aucun moment je n'ai fait d'illustration ou à aucun moment j'ai ouvert Photoshop, en fait. Donc ça, c'est des choses, tout ce qui est illustration, c'est des choses qui étaient méprisées par mes professeurs à l'université et que j'ai entamées ensuite. C'est-à-dire que j'étais rôliste chevronné toute mon enfance et toute ma jeunesse. Ensuite, j'ai été un étudiant pseudo-sérieux à faire des études d'art dans lesquelles, au final, j'ai appris des choses, mais je ne m'y retrouvais pas tant que ça. Et dès que j'ai eu mon diplôme, je me suis rebarré dans mes univers et j'ai commencé à les illustrer, et c'est là que la fête a commencé. D'accord, donc le cursus plutôt traditionnel scolaire était un moyen et un checkpoint plus qu'une finalité, en fait. Ouais, ça me permet aussi, tu vois, aujourd'hui ça me permet d'enseigner, c'est-à-dire que si j'avais pas ça, je serais pas prof d'université aux États-Unis. C'est mon master en France qui me permet ça, quoi. Ah, c'est marrant, ça. Mmh. Ouais, mais je l'ai pas vu venir, hein. Je pensais que ça me servirait jamais. Mais ouais. Comme beaucoup d'entre nous, finalement. Alors, donc, il y a Mister Jacques qui pose la question. Donc, voilà, certaines de tes illustrations me font penser à Juan Jiménez, la case des Métabarons. Est-ce que c'est un auteur que tu connais, que tu apprécies? C'est un mec que j'adore, c'est pas du tout une influence que je cite. Jamais. Mmh. Pas parce que j'aime pas la citer, mais parce que je l'oublie, en fait. C'est-à-dire que les Métabarons, c'est quelque chose que j'ai lu très très jeune. Quand j'étais petit, je faisais partie d'un club BD et puis mon grand-père collectionnait des BD plutôt adultes et je foutais toujours les yeux dedans. Alors c'est comme ça que j'ai découvert Manara, mais c'est encore un autre sujet. Mais les Métabarons, la violence, la crudité des Métabarons, ça m'a influencé. Tu sais qu'il y avait un JDR Métabaron? Ouais, je le connais pas, le jeu de rôle, mais je crois que c'est un truc sur lequel Julien a bossé, justement. Ouais, je crois.
Mais oui, la caste des métabarons, ça a été essentiel, que ce soit au niveau narratif et au niveau visuel quand j'étais gamin. Ouais. Que ça soit cette espèce de violence ou d'érotisme sous-jacent, et y a une violence dans le corps en fait. Il y a des cicatrices, il y a de la mutilation. Ouais, ce sont des corps qui sont pas parfaits, ce sont des. Exactement, exactement. Et c'est donc c'est pas une référence auquel je pense parce que c'est une référence qui remonte à loin pour moi, mais c'est effectivement maintenant que c'est dit, évidemment, quoi. D'accord. Ok. Il y a Yakoyo qui demande, voilà, est-ce que tu t'es déjà dessiné, à tout inclus, en personnage de fantasy? Est-ce que tu as, enfin, j'imagine que globalement, ton épouse fait partie de tes muses. J'ai pu remarquer que tu t'en étais inspiré pour certaines de tes illustrations, si je dis pas Ouais, bien sûr. n'importe quoi. Et est-ce que ça te concerne aussi? Alors oui et non, c'est-à-dire je suis très présent dans mes propres images. On l'a refait! Pardon, On l'a pardon, je refait! reviens. Attends, on l'a Alors refait, oui. 2 secondes. Alors, je repose la question. Alors, non, mais réellement, réellement, oui et non quand même, hein. Voilà. Je suis désolé. Non, t'es pas désolé, non. Je m'excuse. Vas-y, je t'en prie. Ça fait vraiment bonheur quand je fais ça. Je suis très présent dans mes images parce que je suis la personne que j'ai sous la main en permanence quand j'ai besoin de référence. Donc ça me prend 2 minutes pour brancher un appareil photo, faire le couillon, monter sur la table avec un balai ou une pièce d'armure et faire des photos, des Tu vends références. Donc tellement du rêve, mec. Je je jure. me sers de moi, je me sers de moi en tant que référence très souvent. Par contre, ça me gonfle royalement de me voir moi-même dans des images. Je m'insupporte très vite, donc c'est assez, pardon, c'est assez violent, mais c'est réel. D'accord. Et donc j'apparais dans mes images pour le côté pratique. Par contre, j'ai pas forcément envie de me donner à voir dans les images. Il y a une carte magique sur laquelle j'apparais, et celle-là, elle est assez drôle, où j'ai ma moustache qui est recourvée comme ça. Et donc ça, c'est voilà, c'est un autre sujet, mais. Donc, imaginons demain, tu acceptes un contrat que je propose sur le fait de jouer des double poneys, qui est une race de poneys qui existe vraiment. Un double poney, c'est un poney 2 fois plus grand et moins grand qu'un cheval normal. Double poney avec une mitrailleuse, avec un masque de maquillage de geisha, qui vole sur un Imbus 2000. Est-ce que, si tu l'acceptes, est-ce que je peux juste me dire qu'à un moment donné, le mec il s'est pris en photo sur un balai en train de se prendre pour un double poney avec un masque de geisha? Ne réponds pas. On va se contenter de cette réponse. Parfait, ça me va, nickel. Alors, Tissino, qui dit, santé à la tienne. À la vôtre pour ceux qui nous regardaient. Tizino qui demande, voilà, en étant très curieux, passionné, investi pour comprendre les règles, est-ce qu'on peut commencer à jouer au JDR de God? Tu as déjà abordé le sujet un peu, mais en termes très simples, c'est ce que moi, imaginons, je suis quelqu'un qui aime énormément voir ce qui se fait autour du jeu de rôle, j'ai envie de passer le pas, est-ce qu'il y a de quoi avoir une approche didactique? Avec, par exemple, le fascicule d'introduction, aller plus loin avec. Je pense que c'est fait pour ça. Je pense que le guide d'introduction, il est fait pour ça. D'accord. Voilà. Donc ouais. Encore une fois, God, c'est un jeu qui est fait pour être mis dans les mains des joueurs et des maîtres du jeu. Et c'est un jeu qui peut être joué de manière excessivement complexe ou de manière très simple. D'accord. Voilà. Donc, sans Et forcément, donc. t'es pas destiné à quoi. Donc, moi, je me souviens, j'ai une Non, anecdote. si, enfin, c'est un jeu qui est fait pour les adultes et c'est pas un jeu qui va t'expliquer gentiment ce que c'est que le jeu de rôle. Voilà. Par contre, bah, tu peux trouver un. Apprendre ce que c'est que le jeu de rôle, c'est vraiment pas dur aujourd'hui. Et une fois qu'on commence à jouer, Gods, ça va être
une jolie aventure. D'accord. Pour le coup, peut-être que justement, c'est peut-être même le jeu parfait pour commencer. Peut-être que c'est un jeu qui va envoyer tellement du lourd que ça vaut le coup de commencer avec ça. Ouais. Ouais, bah ça c'est le temps qui nous dira. Hein, de toute façon, d'ici la sortie. J'ai commencé avec l'œil noir, mais très vite on a envoyé sur des jeux très complexes. Et ouais, mais ça dépend des envies, ça, en vérité. Hein. Ça dépend de ce que tu es prêt à intégrer comme concept. Moi, je l'ai déjà raconté cette anecdote, mais mon premier jeu publié, donc qui est Priax, c'est juste celui-là, hop, mélange entre Dune de Frankie Herbert et Final Fantasy VII. Et il y a eu des quand je l'ai baladé en convention, il y a eu des jeunes qui ont commencé leur première partie là-dessus et qui se sont cotisés. On avait fait une double table. Ils étaient une dizaine et c'était trop mignon, quoi. Ils s'étaient cotisés à 10 pour acheter le bouquin 40 balles en train de se dire « Ouais, on va faire avec ». Et pourtant, les trucs sont pas faciles. Pourtant, il y a des écueils en termes créatifs. C'était mon premier jeu quand je l'ai sorti. Et pour autant, ils se sont dit, on va sauter le pas. Donc, c'est, si tu es câblé pour, en fait, tu peux passer par-dessus des obstacles mécaniques ou des choses qui peuvent paraître insurmontables pour d'autres. Et toi, comme ce sont des thèmes qui te parlent, eh bien, tu vas foncer, quoi. Donc, c'est quelque chose que tu vas faire. Et c'est agréable pour des joueurs qui démarrent. C'est agréable d'avoir un jeu qui les suit et qui s'adapte en fonction des changements de vitesse aussi. Voilà, donc ça, c'est... Ouais, absolument. Chenin qui me demande, quels seraient tes conseils pour les aspirants dessinateurs qui veulent percer? J'imagine que c'est une question qui revient souvent, hein, dans, de toute façon dans le milieu, dès que tu es professionnalisé, donc c'est quelque chose qui revient. Et quelles sont les approches? Merci, au revoir tout le monde, à bientôt. Donc, qu'est-ce que tu conseillerais? Je sais pas quoi conseiller. C'est difficile de donner des conseils parce que les carrières artistiques sont des carrières où il faut justement, voilà, peut-être une ombre de conseils, mais c'est des carrières dans lesquelles il faut savoir s'adapter et saisir les opportunités. Donc il faut faire du social aussi, finalement. Ce qui ressort de ton ça, commentaire, c'est réel, qu'il faut avoir un aspect social. Tu peux pas être juste l'ermite qui bosse dans ta cave en train de te dire je vais être du temps, tu es le prochain Hokage, je vais être le prochain. Ça c'est le coup du génie créatif que personne connaît, quoi. C'est un autre il faut être flexible, il faut savoir choper les opportunités. Donc tout ça, c'est vraiment pour ce qui est carrière, mais il n'y a pas de carrière faisable quand le travail n'est pas là, quoi. Voilà, donc à la base, vraiment, le truc, c'est de bosser tout le temps. C'est con, hein, mais il y a une réelle compétition. J'ai tellement d'amis artistes, que ce soit dans les équipes de Magic ou les potes en France de l'époque. J'ai une grande famille artistique. Et aucun de nous n'avons les mêmes histoires à raconter, quoi. On a tous il y a des patterns, il y a des choses qui reviennent, mais globalement on a tous des parcours très différents et tout ça, ça vient du fait qu'on a tous dû s'adapter à ce qui venait vers nous et puis créer nos propres opportunités, évidemment. Mais derrière tout ça, c'est juste du travail, quoi. Il faut juste un des trucs que je dis, et c'est important, et là pour le coup, c'est très important d'accepter ses influences, c'est très important de les reconnaître, de les avoir et de savoir les faire siennes. Et c'est très important de se créer une espèce de niche où... Un des trucs que je dis souvent à mes étudiants, c'est assurez-vous de faire en sorte que... Assurez-vous de donner une raison au directeur artistique. Donnez-leur une raison de vous contacter, en fait. Voilà. Pourquoi vous et pourquoi pas quelqu'un d'autre? Donc à un moment, il faut dessiner beaucoup, il faut pratiquer beaucoup, mais il faut aussi être en quête de ce petit quelque chose qui rend le travail d'un artiste différent de l'artiste d'à côté et qui fait que les gens nous appellent. Ouais, il faut pas juste que tu sois sympa, il faut que tu aies quelque chose à apporter en termes de fonctionnement, en termes de réflexion, en termes de philosophie, parce que c'est pas juste le talent qui prévaut. Moi, je me souviens au début de mon cursus, j'ai eu des conversations qui me paraissaient complètement décalées, mais qui ont fait partie de ce qui a séduit mes premiers partenaires. C'est-à-dire que
des éditeurs qui m'ont fait des retours sur les textes en disant ça va pas ça parce que l'introduction il faut la réviser, il faut la revoir, ou alors l'approche essaye de voir un autre style. Et l'éditeur ou le chef de projet s'attendait à ce que je dise non, mais tu te rends pas compte, c'est toi qui comprends pas. Yeah, mais soy un artiste, tu comprends pas ce que je voulais dire. Non, et, voilà, c'est et donc, c'est très important de savoir travailler en fait. Voilà, c'est ça. Exactement. Et donc je disais, bah non, bah, ok, d'accord, bah, tu montres des arguments solides. Ok, bah, je vais travailler en ce sens. Et ça a souvent généré des. Attends, c'est tout? Tu ne. T'es pas en colère? T'es pas énervé? Tu veux pas m'insulter en allemand? T'es toujours avec nous? Ouais. Voilà. T'as rien contre ma maman? Non, c'est, je veux dire, on est tous au service de quelque chose qui nous dépasse en fait. Donc ouais. On n'a pas à être vénère ou autre. Et ça fait partie, j'imagine, pour compléter ta réponse. Des éléments importants pour essayer de percer, c'est de se rappeler qu'on n'est pas juste au service de soi, on est au service de soi parce que c'est bien un sûr. Travail égotiste, c'est un pardon micro, c'est un travail qui, la valorisation de soi est importante pour avoir confiance en soi et continuer à s'améliorer, être une meilleure personne. En revanche, c'est important aussi de ne pas être au service de soi, mais être au service de quelque chose qui n'est pas passé, surtout en équipe. C'est derrière le travail. Ouais. C'est presque du mime sur Internet, mais s'il y a un patron, s'il y a un client qui vient de te demander de construire la maison et que tout d'un coup, toi, tu es créativement inspiré et que tu construis un truc qui n'a rien à voir avec la maison dans laquelle ils veulent vivre, bah, tu ne sais juste pas faire ton travail, en fait. Tu es peut-être très créatif, mais tu n'as pas rempli ta mission, quoi. Donc c'est très important de savoir faire les deux. Vivre de son travail, c'est savoir en faire un travail. Voilà. Et donc voilà. C'est savoir répondre aux clients et travailler ensemble. Très bon résumé. Est-ce que, Mr. Jack pose la question, est-ce que tu es inspiré par une musique en particulier dans ton travail? Est-ce qu'il y a un type de musique genre qui te fait, je sais pas, ça génère de la bave aux lèvres, tu convulses, t'as ta main qui tremble et d'un seul coup tu te réveilles en sanglots, trois heures plus tard, en voyant ta main qui a bossé sur ta palette graphique et dire « Ah, oh, j'ai fait ça !» alors que tu as activé une musique quoi, juste avant. Ouais, je trouve dans le black metal, la hargne et le tragique, l'atmosphère, c'est très difficile d'en parler, c'est très personnel et c'est très difficile d'en parler sans être caricatural, mais il y a une violence qui vient exprimer la mienne en fait. D'accord. D'accord, très bien. Bah voilà, ça répond très bien à la question quoi. Donc les flippers qui demandent, bouge après. Voilà, j'ai parcouru un peu le kit de découverte. Entre parenthèses, merci d'ailleurs. Point. On voit qu'il est adapté à tout type de joueurs. Cependant, l'accent semble mis sur l'aspect collaboratif, compétences de groupe, etc. Penses-tu qu'il n'y a pas assez de coopération dans le JDR de manière générale, où chacun serait trop centré sur son personnage? Et ben là, pour le coup, c'est une question. Ça serait une question pour Julien. Mmh. C'est quelque chose. C'est quelque chose qu'il a mis en place énormément quand il a travaillé en travaillant sur Vermine, la notion de groupe, parce que sur Vermine, on est dans une notion de survie. Et puis, on a eu pas mal de discussions sur est-ce que c'est approprié dans Gods ou pas. Et voilà. Donc les choix ont été faits. Moi, je suis très, je l'ai dit déjà, hein, je suis très lone wolf, loup solitaire, je suis très solo, et j'ai toujours créé des groupes autour de la table. J'ai jamais pris mes joueurs séparément, chacun fait son perso, et puis ensuite ils se retrouvent ensemble pour je sais pas quelle raison. J'ai jamais fonctionné comme ça. J'ai toujours assis tout le monde à la table et décidé d'un groupe. Donc au final, quand Julien a commencé à transposer ces concepts-là sur Gods, ça ne m'a pas dérangé du tout, parce que je pense que c'est très important d'avoir un groupe qui fonctionne ensemble et qui a une raison d'exister ensemble, quoi. Donc, encore une fois, hein, ça fait partie des aspects de Gods qui sont très forts quand ils sont bien utilisés, qui peuvent être laissés de côté si à un moment, un maître du jeu décide que créer le groupe, il ou elle s'en fout, ben voilà. C'est très important. Moi, j'ai envie de rappeler aux gens, en lisant sur la campagne Ulule, en lisant des trucs, des questions qui se posent sur Gods, j'ai envie de rappeler aux gens que le jeu, ça va être le vôtre. Hein, à partir du moment où vous l'achetez, bac à sable, amusez-vous, quoi. Ouais, c'est prenez ça. Il faut se l'accaparer. Voilà, on s'assure qu'on ne mettra pas les joueurs dans des situations où il manque des choses. Bien au contraire, il va y avoir plein de trucs. Prenez ce que vous voulez, quoi. Vraiment.
Donc, s'il y a un aspect de règle, ça fait partie de l'aspect bac à sable, et ce qui fait... on a tous soit créé nos univers, soit légèrement hacké celui qui nous plaisait. Moi, le plus gros choc que j'ai eu là-dessus, c'était justement sur Shan, où il y avait l'auteur qui avait sorti un élément par rapport à son propre univers dans un magazine, et l'élément, je ne le trouvais pas cohérent par rapport à son propre univers. J'ai écrit à la boîte d'édition, je lui ai dit voilà, vous avez sorti cet élément sur le Shan, je suis pas d'accord parce que voici comment moi je le vois par rapport à la philosophie que vous avez abordée, la base. Et en fait, ok, ils ont tout changé. Presque. En fait, c'est l'auteur lui-même qui m'a répondu à l'époque. Donc j'avais imprimé, si tu veux, j'avais imprimé ses réponses, je l'ai mis dans un classeur. Je fais oh, c'est l'auteur qui m'a répondu. Oh, j'étais en train de convulser, en train de faire. Je me sens pas bien. Et pour anecdote, sur la deuxième édition du jeu, j'ai eu l'occasion de bosser sur un scénario officiel et de faire. Donc pour moi, c'était un peu le succès Steam, c'est boom. Et donc il m'a répondu, il a dit mais en fait c'est super logique. C'est en fait je suis d'accord avec toi. Et du coup, je trouvais ça trop cool en fait. Donc je trouvais ça vraiment trop cool. Et pour le coup, c'est parce que comme tu dis, j'en ai fait mien l'univers. Donc, pour essayer d'aller plus loin dans la réflexion, quoi. Donc voilà, Mr. Jack qui a posé la question tout à l'heure, c'est quelle est ta plus grosse claque graphique ? Ou celle qui te parle ? Quelles sont les claques ? Pense à des claques. Alors, les claques, c'est les pré-Raphaélites. Alors, c'est Collier, c'est Waterhouse, c'est des artistes du passé et qui ont eu énormément d'influence sur des gens plus modernes comme Frat Zeta, ou même encore plus récents comme Brom, qui eux aussi ont des influences sur moi. Pour tous les gens qui parlent de l'influence de mon travail, de Brom sur mon travail, il est évident. Brom, c'est quelqu'un que je connais personnellement, pour le coup. C'est pas du tout nié ou quoi que ce soit. Il fait partie de mes influences de jeux de rôle. Voilà, il fait partie des gens qui m'ont donné envie de faire ce boulot, donc c'est là, c'est très présent. Frat Zeta, encore une fois, hein, je le dis, j'arrêterai pas de le redire. C'est très classique hein, comme réponse, mais c'est ça. Quoi. Ouais, mais c'est ce qu'il faut. On va apprendre encore... Deux, trois questions. Juste un dernier truc. Ouais. Il y a tellement d'artistes aujourd'hui qui font tellement de trucs magnifiques que je prends des claques tous les jours. C'est-à-dire que même les gens qui sont invités sur Gods, quand je leur commande des images et qu'ils m'envoient ce qu'ils font, à chaque fois, c'est des claques. Voilà, donc... D'accord, tu... Il y a les claques du passé et il y a les claques du présent, quoi. Et tu te permets quand même d'être émerveillé parce que tu continues de découvrir aujourd'hui et tu n'es pas en mode « je vais vous apprendre la vie », tu... Oh là là, pas du tout. Pas du tout. Les gens parfois confondent ma confiance en moi avec de la prétention, mais il y a absolument aucune. Moi, je suis humble. Hein. Les gens qui viennent travailler. C'est ce que disent tous les gens qui ont un ego démesuré. Hein. Non, mais moi, je suis vraiment très humble. Ah, oui, ça passe alors. Nickel. Non, c'est réel. C'est-à-dire que je me retrouve à travailler avec des gens sur Gods qui font des choses où je me retrouve à me demander... Ça me met même parfois dans des moments de doute où je me dis « Mais putain, je suis pas assez bon, quoi. » Tu vois, je regarde, les gens m'envoient des trucs. Ah, du coup, ça t'oblige à te défoncer, finalement. Mais bah, c'est vrai, en plus. Ça donne une... ça motive, ouais, bien sûr. Sur la question du conseil à l'artiste évoqué tout à l'heure, si on n'a pas le côté social indispensable... quelqu'un qui est, comme Calou, plutôt concept artiste dans une boîte de jeu et qui aimerait devenir freelance, mais qui a du mal à amorcer sa carrière, comment résoudre le problème d'isolement, en fait, qui peut être assez bloquant? Ouais, c'est pas un truc par lequel je suis passé, c'est-à-dire que moi, j'ai vraiment commencé en freelance et ensuite, je me suis fait inviter sur des jobs dans des boîtes, mais je les ai refusés parce que quand t'as la liberté du freelance, j'ai jamais été attiré. Encore une fois, je suis trop... J'ai besoin de cette liberté, je peux pas me lever à une heure normale, donc voilà. Je connais pas, en fait. Dans la vie, il y a un truc que je sais, c'est que quand je sais pas quelque chose, il faut que j'évite de dire des conneries à ce sujet. Voilà, et donc c'est une expérience que j'ai pas du tout. J'ai pas l'expérience de la transition
d'une boîte professionnelle au freelance. Par contre, j'ai des amis qui ont fait cette transition et ça se passe plutôt bien. Mais je sais que c'est des transitions qu'ils ont basées sur des relations professionnelles qu'ils ont créées pendant qu'ils travaillaient justement on-site, qu'ils travaillaient dans une boîte particulière. Et donc, ils se créent un espèce de réseau jusqu'au jour où ils connaissent suffisamment de personnes pour savoir que même une fois qu'ils quittent le job, ils auront du boulot qui va rentrer, quoi. Je pense que faut faire très attention de ne pas faire un saut sans parachute. Et je pense que ce parachute, c'est des bons réseaux sociaux, c'est un bon portfolio, c'est des contacts professionnels. Même si on n'est pas social, c'est important d'avoir des bons contacts dans le milieu, en fait. Voilà, mais il faut faire attention de ne pas sauter sans parachute, parce qu'après, ça peut être. Ça peut se retourner contre Après, toi, le c'est le parachute qui drame, se, quoi. ouais, parachute Ouais. qui se referme sur toi alors que tu avais qu'une envie, c'est des rêves d'indépendance hein, et tu n'as Voilà. pas construit ton contexte. Je suis tout à fait sur cette philosophie-là et ça m'a sauvé à bien des égards de ne pas mettre, pour résumer, tous les œufs dans le même panier en fait. Hein. Voilà, c'est Donc, ça. Il d'accord, faut pas très mettre bien. les œufs avant les bœufs. Oui, et pas à l'intérieur non plus parce que c'est comme Voilà. ça qu'on fait les omelettes, les gars. Réveillez-vous. Alors. Autre question. Parmi les dernières, dans un de tes projets ou dessins, est-ce que tu as pensé que tu faisais un truc loin de ce qu'attendait l'auteur, ou est-ce que t'es arrivé d'être à côté de la plaque et d'être recalé sur un projet? Ça m'est arrivé plein de fois d'être à côté de la plaque parce que plus on bosse, plus on fait d'images avec plein de clients, etc. Bah, évidemment, on multiplie les chances d'être parfois à côté de la plaque. Ça m'est arrivé plein de fois. Et ça m'est arrivé, et donc au milieu de ces plein de fois, il y a plein de fois où ça a plu, justement, j'étais à côté de la plaque et ça a plu et on a gardé. Et plein de fois où on m'a dit, ben, non, c'est pas du tout ce qu'on veut. L'auteur, alors c'est des équipes, hein, sur une couverture de bouquin, il y a l'éditeur, il y a le directeur artistique, il y a l'auteur, c'est des équipes énormes, il y a mon agent, il y a moi. Et donc, c'est très difficile de faire passer une couverture qui plaît à tout le monde, que ce soit l'agent qui me dit c'est top, on envoie, que ce Ouais, soit puis l'éditeur qui aime plus la bien, que ce licence est soit. importante, plus c'est compliqué. Voilà, et donc évidemment, on navigue tout le temps. Donc il y a toujours des gens plus ou moins satisfaits, etc., etc. Moi, j'essaye de garder ma barre, en fait. J'essaye de ne pas faire d'images qui ne me plaisent pas. Voilà, ça c'est mon. Et pourtant, il y en a D'accord. un. Voilà, mais. Ok. Très bien. Donc parmi les dernières questions, est-ce que tu peux nous parler d'un regret par rapport à ta carrière là aujourd'hui, où t'en es là aujourd'hui? Est-ce que tu as un truc que tu regrettes et un truc que tu kiffes en particulier, un succès en particulier, un succès perso en fait, hein, donc qui te parle, donc comme par exemple Cult tout à l'heure dont on évoquait. Ça sonne un peu, peut-être un peu bizarre, mais j'ai pas de regrets. J'ai vraiment, et là pour le coup, c'est pas bizarre, mais c'est bateau, c'est-à-dire que je considère que même les moments difficiles ou les obstacles, Ça te permet de te construire. ça nous construit, ça nous rend plus fort. Donc, si je devais changer quoi que ce soit, je changerais absolument rien. C'est important de pouvoir identifier les endroits où je pense que j'ai fait fausse route à certains moments. Je me suis parfois mal entouré. J'ai parfois refusé des boulots que j'aurais dû accepter parce que ça m'aurait ouvert des portes et je le sais. Mais en même temps, voilà, aujourd'hui, j'approche doucement de la quarantaine, je suis bien dans mes bottes, j'ai fait beaucoup plus que. Je suis bien plus loin que ce que je pensais. Il y a 20 ans, j'étais. Voilà, même, je sais pas, même quand j'avais 25 ans, on m'aurait dit, tu vas avoir la carrière que tu as, j'y aurais pas cru. C'est aussi simple que ça. Donc quelque part, je rigolais pas complètement quand je disais que je peux être humble parce que ça me garde. J'oublie pas, quoi. J'oublie pas les galères, j'oublie pas les années où je bouffais du riz à travailler, à bosser sur mon ordinateur, à me demander si j'allais faire quelque chose de ma vie. C'est des choses qui restent, c'est des choses qui. Non seulement ça reste, mais ça peut revenir en plus. C'est-à-dire que du jour au lendemain, peut-être que mon travail va blaser tout le monde et que tu peux se péter la gueule. Toi, le On n'est premier. jamais à l'abri de quoi que ce soit.
Et c'est important de rester bien ancré, quoi. Voilà. Et je suis une personne ancrée, je suis une personne qui sait, je sais me satisfaire de ce que j'ai fait, de ce qui est à venir, de ce que je fais en ce moment, et j'en suis très content. L'expérience Gods, c'est génial, par exemple, voilà. Excellente Mais transition voilà. là-dessus. Est-ce que le Vas-y, jeu vas-y. de rôle, enfin, ça sera l'ultime question, est-ce que le jeu de rôle a apporté dans ta vie, en fait? En quoi ça Bah, te... tout. Comme on a commencé par ça tout à l'heure, donc c'est bien, on va boucler la boucle. Mais ouais, j'ai commencé le jeu de rôle quand j'avais 7 ans, avec l'œil noir, cadeau d'anniversaire d'un pote qui amène l'œil noir, Qu'a-t-il mon père fait? qui ouvre la boîte, qui nous masterise une partie de l'œil noir. Puis c'était le début de la fin, quoi. On a joué tous les week-ends avec mon frangin, avec les potes. On a joué sans cesse. J'ai créé des mondes, je les ai illustrés. Donc, mon imaginaire, tout ce que je suis aujourd'hui, c'est le jeu de rôle, quoi. C'est le jeu de rôle. Ça, enfin, évidemment, j'ai été attiré par le jeu de rôle, vers le jeu de rôle parce que je suis ce que je suis, mais c'est indissociable, quoi. Donc, y retourner maintenant que j'ai la place mentale pour proposer ces visions que j'ai depuis tellement longtemps, il est temps, quoi. Il est juste temps. Voilà, c'est ça. Donc, rien que quand on en parle, là, je commence à. Voilà, Ouais, avoir le poil ici qui un peu comme la Voilà. côtelette sur le filet de beurre au fond de la C'est ça. poêle. C'est Très ça. bien. Bah, génial. Écoute, Bastien, en tout cas, merci d'avoir pris ce temps-là aujourd'hui, malgré le décalage, malgré les Uruk-hai, malgré les intempéries, malgré les cultistes de ta région. Envoie évidemment. Satan au 8 de 22 22 pour découvrir les cultistes de ta région, si tu as Portsmouth, évidemment. En tout cas, merci à toi beaucoup. Petit Merci rappel. à toi, c'est très agréable. Ouais. Voilà. Bah, écoute, le plaisir est partagé, hein, c'est en bonne compagnie. Et puis, les gens ici étaient aussi contents de découvrir et le gars derrière le créatif et la Voilà. production en elle-même. Donc, c'est toujours agréable et c'est très important. Il faut toujours. Ne pas oublier que derrière les talents, derrière les compétences, ce sont des gens qui ont des moments de fulgurance et puis des moments de remise en question et puis qui font un parcours et le tout avec comme objectif d'être bien accompagné en faisant des trucs fun. Hein. Et Et puis si je là-dessus, ouais. peux, c'est ouais. Et merci à tous ceux qui nous permettent de faire ça, quoi. Voilà, c'est Bah, excellent. Et n'oubliez pas, donc il y a Gods qui est en ce moment. Sur Ulule, qui va être propulsé par Arcane Asylum, qui est ton actu, la suivante, donc dans les semaines, mois qui viennent, garde un œil dessus. C'est Retro City, autre univers, autre ambiance, mais connecté par deux, trois subtilités. Et puis, bah, tu continues à droite, à gauche. Donc, ceux qui veulent aller au fin fond des États-Unis à l'université peuvent prendre des cours avec Bastien Voilà. directement. Donc, C'est ça. pense-y, toi qui es dans l'espace commentaire, c'est ton moment. Merci Bastien. À très vite. De toute façon, on a deux, trois choses à se dire en off au sujet peut-être de Gods. Qui sait? Et Sait. porte-toi bien, bon courage. Il y a du boulot encore. Sois fort et garde-toi du mal surtout. Merci. Je te laisse le dernier mot qui est à toi. Désolé.